Et mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée de Cariton VIP. Vous l'attendiez depuis très longtemps, on me l'a réclamé tout l'été. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez fait votre rentrée comme il fallait, que vous ayez repris les cours, le taf, peu importe, le chômage, la glande, peu importe. J'espère que ça se passe bien pour vous et que vous êtes en bonne santé. C'est le principal. Aujourd'hui, une belle soirée pour vous accompagner. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est en trio, d'où le petit trailer, hein. Deux petits bambis, un joueur pro qui va devoir un peu les gérer. L'objectif justement de marquer un maximum de points pour remporter le cash prize. On va revenir sur le format dans quelques instants. On va revenir sur les invités aussi dans quelques instants. Il y a du très beau monde. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Après, on a fait quelque chose d'assez spécial pour cette édition-là. Je voulais aussi ouvrir le bal en disant un grand bravo à Pierre Gasly pour ceux qui ont suivi le français, le pilote français justement qui a réussi à remporter le Grand Prix d'Italie. C'est important pour moi de démarrer là-dessus. On a eu l'occasion de jouer avec lui il n'y a pas si longtemps que ça avec Gotaga, Charles Leclerc, etc. sur une bonne émission Warzone et je voulais justement ouvrir le bal en lui souhaitant une bonne aventure pour la suite parce que là, ça se passe très très bien pour lui. Donc dédicace à toi Pierre Gasly. Gros félicitations, tu nous as fait vibrer toute l'après-midi. Midi. Mais là, c'est à nous de vous faire vibrer maintenant, spécifiquement pour cette édition-là. Ce qu'on a fait, on a donné un slot d'équipe à un VIP. Il pouvait inviter un second joueur de son choix, que ce soit un pote à lui, un frère, un cousin, un streamer, un youtubeur. Tant qu'il n'était pas joueur pro, tant qu'il n'était pas champion, ils avaient l'autorisation de l'inviter. Donc, tu pouvais inviter un petit peu qui tu voulais, d'où le fait que parfois, vous n'allez pas reconnaître des pseudos ou quoi que ce soit. Et il y a peut-être des petites histoires derrière, c'est peut-être un pote ou quoi que ce soit, c'est normal. Donc, un VIP plus un et le joueur pro derrière qui vient les aider. On va découvrir les équipes ensemble, bien évidemment. Vous le voyez justement juste ici. Il y a du très beau monde pour certains. C'est pour une grande majorité, il faut le savoir, hein, parce que ça, c'est quand même impressionnant. Pour une grande majorité, c'est une première édition. Oui, alors pour qui, par exemple, venons sur ceux qui font leur première apparition dans Cariton VIP, parce qu'on en a eu déjà du monde, hein, en 3 éditions, à chaque fois quasiment 100 joueurs. On a fait tourner du beau monde. Aubameyang, justement, le joueur de foot qui nous fait le plaisir d'être ici et qui nous a normalement révélé qu'il avait un sacré level. Donc, Aubameyang, frérot, on va être sur toi très rapidement, sans te mettre la pression. Hâte de voir. Hâte de voir. Il avait réagi justement suite à la dernière édition sur Cariton VIP avec Antoine Griezmann. Il avait réagi en mode et moi, c'est quand qu'on m'invite? Et ben voilà, ici on est très réactif. Aubameyang nous fait le plaisir d'être ici. Accueillez-le comme il se doit et soutenez-le comme il se doit, bien évidemment. Il fera équipe avec le Ludo qui est un pote à lui qui stream en plus de ça. Donc il y a même moyen, je pense, de suivre la POV de leur côté. Et ils seront avec Clément en tant que joueur pro. Ça, c'est une première participation pour Aubameyang. Il y a Amaru, justement. Amaru qui a gagné Streamer Battle de la semaine dernière et qui se fera équipe avec Tixi sur cette édition en tant que joueur pro. Et Nateos en tant que collègue, coéquipier. Donc Amaru, Nateos, Tixi. Belle équipe avec justement deux premières participations. On enchaîne avec un autre qui participe pour la première fois. C'est Studio Daniel, justement, qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. C'est le but aussi de faire découvrir ce monde-là à plein de personnalités. Et je remercie Dejna et Skite, hein, qui vont accompagner Studio Daniel. Alors, c'est deux personnes. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a Arthur qui accompagne justement Daniel qui prend possession normalement des commandes. Donc, techniquement, voilà, il y a Arthur et Daniel qui joueront un peu comme ils le souhaitent. Parce que forcément, pour les deux, il démarre un peu dans Fortnite. Il y a aussi Mushway, hein, qui fait aussi son apparition ici présent avec Walid et Nono. Une belle équipe, hein, Mushway, Walid, Nono. Techniquement, sur le papier, c'est censé performer. Une autre équipe qui fait sa première apparition, celle de Gotaga, qui n'avait jamais participé. Et là, il arrive avec du très très lourd. Hein. Gotaga, Mikalo, Airwax, ça fait plaisir. Alors après, ils sont dans les normes. Hein. Gotaga, Mikalo, faut savoir qu'ils ont quasiment pas relancé le jeu depuis quand même plusieurs mois. C'est vrai, ils ont un énorme passif. Donc techniquement, ils sont parmi les favoris ce soir. Hein. Être honnête, mais attention, il y a d'autres trios qui sont assez solides, comme celle de Yoshi avec Maggle Junior, hein, qui est le petit frère de Maggle, le joueur pro, et X-Wiz. Attention à cette trio là aussi qui va aller chercher la victoire. Il y a du très très beau monde, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi ceux qui font une deuxième apparition, hein, je pense justement à Airwax, à Mikalo, à Leroy Samo qui avait déjà participé, à Pixia, à Deschiptos, à Kitio, X-Wiz, Yuna. Voilà, tout ça c'est des deuxièmes participations. Il y a du joueur pro, il y a du VIP là-dedans. Il y en a pour qui c'est la troisième participation. On pense à Skyheart, à Tixi, à Nate, à Rocky, à Max Alibur, Tuffer, KZR, Farod, Dimitri, Nems, Marcotte. Donc voilà, eux, c'est des habitués qui connaissent maintenant le concept, qui ont l'habitude. Donc à voir si
au fur et à mesure, ils augmentent leurs prestations par rapport à leurs performances précédentes. Et il y en a pour qui ils ont fait toutes les éditions. Il n'y en a pas une qu'ils ont raté. Beaucoup de joueurs pro, forcément, parce que les joueurs pro, bah, il y a la liste, les VIP choisissent. Donc, s'ils sont choisis à chaque fois, ils le font à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de joueurs pro, mais il n'y a pas que des joueurs pro. Je pense à Le Bouzeux qui a toujours répondu présent. Je pense à Michou qui a toujours répondu présent. Voilà, ça fait très plaisir. Il y a Black Sou en tant que joueur pro. Il y a The V, Crobabs, Alpha, Dobby aussi qui a répondu présent à chaque fois. Non, il y a du très très beau monde. Honnêtement, on va kiffer entre nous. Il y a du solide. Il y a du très solide. Petit récap des règles, forcément. Le format, comment ça se passe? 4 games, vous allez le voir, avec des malus toujours pour les joueurs pro. 4 games, mais vous avez compris, les malus vont être de plus en plus impactants pour les joueurs pro. Au début, les joueurs pro vont pouvoir se faire plaisir parce que la game 1, ils vont pouvoir jouer normalement. Deux stratégies adoptées. Soit tu fais pas trop attention à tes VIP et t'essayes en tant que joueur pro, vu que t'es pas nerfé, d'aller marquer un maximum de points tout seul. Soit au contraire, tu prépares un peu tes VIP pour la suite en leur donnant des petits conseils, en les accompagnant, en leur montrant le bon chemin. Pourquoi? Parce que après, ça sera à eux principalement d'aller marquer les points. Et donc, on va voir quelle stratégie vont adopter les joueurs pro qui sont un peu ouais, le leader hein, technique de l'équipe. Ça sera sur eux qu'on ira gueuler à la fin si ça performe pas. Et donc première game, vous l'avez vu, pas de malus pour les joueurs pro. C'est plutôt eux qui vont se faire plaisir et qui auront la game entre les mains. Et vous allez voir une game plutôt classique, même s'il va falloir ramener les VIP le plus loin possible malgré tout. Game 2, un slot d'armes pour les VIP. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut juste dire qu'ils ont le droit d'avoir qu'une arme dans leur stuff en même temps. Ils peuvent switch avec leurs deux VIP. Là, c'est un avantage par rapport à la duo. Il y a deux autres joueurs. Donc tu peux le dire à un joueur, tiens, toi garde-moi le sniper. À l'autre joueur, tiens, toi garde-moi l'AR. Et toi, t'as le pompe. Et comme ça, si t'as besoin de l'AR, tu vas voir lui. Si t'as besoin du sniper, tu vas voir lui. Donc encore un autre intérêt de garder les deux joueurs en vie pour avoir encore plus de slots et pour pouvoir permettre aux joueurs pro d'aller le plus loin possible. Parce que bah, techniquement, sur la game 2, il peut encore le faire. Game 3, interdiction de construire pour le joueur pro. Je rappelle que les malus sont que pour les joueurs pro, pas pour les VIP. Interdiction de construire, donc là tu dois compter sur les deux. tu dois vite repérer lequel construit le mieux et jouer un petit peu autour de lui. Donc ça va être très intéressant, ça va donner des situations très très drôles où le joueur pro il sera un petit peu entremêlé entre ces deux VIP. Et c'est ce qu'on veut, on veut de l'interaction, on veut de l'amour, on veut du cri, on veut de la haine, on veut tout ça. Et la game 4, là le joueur pro il sert quasiment à rien, il doit jouer qu'à la pioche. C'est un sac à dos, il peut porter du soin, ce genre de choses. Après ça va, il y a beaucoup de poissons en ce moment, donc il peut quand même se rendre un minimum utile. Mais voilà, il porte l'équipe et il porte le stuff et c'est tout. Et là c'est les VIP qui doivent cartonner les kills pour pouvoir marquer un maximum de points. En parlant de points, on va switch directement là-dessus hein, parce que vous l'avez compris, plein de trios invités, 4 games, quelques malus et après du cash price, beaucoup de cash price, on va y venir. Regardons rapidement pour les points histoire de vous mettre un peu de ça en tête. Un point par kill, ça c'est simple, comme ça les calculs se font rapidement. 14 points pour la victoire royale et ensuite ça descend crescendo, 11, 9, 8, 7, 6, 6, etc, etc. Le but c'est que ça reste un maximum équilibré pour qu'on ait un maximum de suspense, même si on le sait, 1, 2, 3, 4 équipes peuvent vite aller chercher le haut du classement. Et il y a voilà, plusieurs objectifs pour les équipes ce soir. Certaines qui sont attendues au tournant si elles sont pas dans le top 5. D'autres, je pense à Studio Daniel, Skite et Dojna. Voilà, si déjà ils passent un bon moment et qu'ils arrivent en plus à faire une mini perf type rentrer dans le top 15, ça serait incroyable. Donc faut vraiment mettre par rapport au niveau des VIP, au niveau du plus 1 et au niveau du pro, le bon objectif. Donc il va y avoir une guerre sur le haut du classement, il va y avoir une guerre au milieu du classement, il va y avoir une guerre pour pas être le dernier. On va suivre tout ça ensemble, ça risque d'être très très drôle. Le cash prize, dernière chose, regardez comme ça régale et ça me permet de remercier Fortnite parce que oui, effectivement, cette édition là elle est sponsorisée par Fortnite. En tout cas, c'est eux qui payent le cash prize. Regardez les sous-sous qu'ils ont mis en place, 10 000 dollars uniquement pour l'équipe qui terminera première, 8 000 dollars pour l'équipe qui terminera deuxième, 4 000 dollars pour l'équipe qui terminera troisième, 2 000 dollars pour l'équipe qui terminera quatrième et 1 000 dollars pour l'équipe qui terminera cinquième. C'est beaucoup d'argent, il y a 25 000 dollars à ce partager. Normalement, à partir de là, vous avez toutes les infos. J'attends juste qu'on me donne le go pour pouvoir lancer la première game. Et ensuite, c'est parti, 4 games, on fera 2 games, une petite pause pour laisser tout le monde le temps de souffler, réadapter les stratégies, hein, vous le savez, hein, pendant la pause, le but c'est que le joueur pro, il lâche un maximum de consignes, parce que il y a ce moment où je vous l'ai dit, les deux premières games, le pro peut faire un gros travail, les deux suivantes, plus au VIP, donc la pause, elle est super stratégique pour eux, ça leur permet de souffler déjà, parce que à mon avis, pour certains VIP, ça va être très intense au début, et derrière, de revenir, voilà, en forme pour jouer les deux dernières games qui vont être les plus importantes et qui vont nous permettre de vivre un stress intensément jusqu'au bout. On y est directement pour cette première game de Cariton VIP avec justement plusieurs équipes, celle d'Aubameyang sur le bas de votre écran, celle justement de Studio Daniel en haut à gauche de votre écran, et on va aller chercher voilà Emric, hein, Emric Laporte qui est avec nous aussi ce soir, footballeur lui aussi. Il y a vraiment du beau monde, hein. Je vous invite à aller checker la liste sur Twitter ou là même la faire tourner hein, les modos sur le chat pour permettre aux viewers d'avoir la liste des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, vraiment il y a beaucoup de monde, et comme ça vous allez pouvoir à chaque fois savoir à qui on a affaire.
On va aller, allons voir justement cette première équipe avec Emmerich qui ont démarré à Salty Spring. Alors ils ont l'air de pas être seuls, forcément il y a un petit fight qui va s'engager. J'aimerais bien même aller les écouter très rapidement pour se mettre directement dans l'ambiance si ça vous dit. Bien évidemment, on écoute. J'ai une grande, tiens, prends-la toi, vaut mieux que tu apprennes toi. Donc c'est vraiment à lui de mener le jeu. Et donc vous avez vu, il y a l'équipe de Farod juste à l'opposé de Salty Spring. Essaye d'aller dans... Qui va falloir garder sous les yeux l'équipe numéro 2 face à l'équipe numéro 15. Alors qu'on voit Gotaga lui aussi en haut à droite de l'écran où il y a plus de facilité. On sent qu'il a directement repris du poil de la bête Gotaga. Avec un premier fight, ça va peut-être être de son côté même. Si ça va se jouer, il n'y a aucun kill pour l'instant de faire. Est-ce qu'on passerait pas sur Gotaga en urgence? Parce que forcément ça engage directement face à l'équipe de Kaolis. Sa Vitality Gotaga qui débloque le premier kill de Carito VIP. Il avait attendu la 4ème édition avant de venir nous dire coucou. Et le voici débloquer le premier kill. Mais c'est pas terminé. Mikalo qui est tombé directement face à un Keolis, un très solide. Ah, il y a notre team en fait. Il y a trois teams. J'ai vu l'équipe de Ahmed, justement. J'ai vu l'équipe de Keolis. J'ai vu l'équipe de Gotaga. Et là, ils sont enfermés entre plusieurs équipes. Ça va être compliqué quand même de gérer ça. On écoute Gotaga, Airwax et Mikalo. Mikalo est mort. Donc on voit une pêche. On verra s'il laisse plutôt les joueurs se concentrer ou peut-être qu'il peut donner quand même des astuces. Ils enlèvent l'autre équipe, je pense. On voit quand même que Gotaga, il a pas perdu grand chose. Je vous rappelle, il y a un lundi Master Kill qui se fait demain en plus de ça avec Balouz et Michou. J'en profite, mais là voilà, enfermé. Enfermé comme quoi, compliqué. L'équipe de Gotaga qui malheureusement tombe assez rapidement dans cette première game. Et c'est cette équipe là qui est réellement les grands vainqueurs. Keolis qui s'est fait plaisir là-dessus, qui a récupéré deux kills justement pour son équipe. Un sur Ludo, un sur lui. Ça marque des puntos, ça les met très très bien pour la suite de l'aventure. Keolis qui doit être très heureux je pense de son action. On va peut-être aller entendre leur réaction et surtout entendre qu'est-ce qu'ils vont faire directement, parce que vous le savez dans le jeu vidéo c'est important de se concentrer sur l'instant présent et c'est surtout à niveau professionnel important de savoir ce qu'on va faire l'étape juste après et l'étape même encore après. Avoir de l'anticipation, c'est la priorité. On écoute Keolis. Moi je suis pas venu ici pour rigoler, moi je suis venu ici pour gagner. Vas-y. Ok, ils sont pas venus pour rigoler, ça vient pour gagner, c'est ce qu'on entend du côté de Ludo avec Jean. Forcément dans la zone en plus. Et Keolis, en haut à droite, vous avez Skyheart qui fait équipe quand même avec Noward et Jibs. Ça aussi, c'est du très costaud. Jibs, Noward, Skyheart, allons les écouter, comprendre un peu dans quel état d'esprit ils sont, parce que ça aussi, c'est des joueurs qui ont quand même du vécu quoi. Jibs et Skyheart. Reviens vers nous, Sky, et on va retard. Tiens, Sky, prends la. Normalement, ils ont des bonnes bases. Des bonnes bases. Aubameyang et Studio DL dans Carito VIP, let's go. Ça fait plaisir, c'est ça qui est cool avec Carito VIP, c'est qu'il y a des personnalités que tu t'attends pas à voir ici. Et j'ai très très hâte. Gardez un petit œil sur Aubameyang. Je veux aller entendre, je veux aller voir Aubameyang lors de son premier fight, parce qu'on m'a vendu du rêve sur ce joueur. Et je veux voir ses premières actions. Bien évidemment, il y a peu de morts, vous l'avez compris. 9 morts pour le moment dans cette game. Il y a Turbo, mais en fait elle va pas très vite. Donc comme quoi il y a quand même de la strat. Hein. Ça y va, si c'est pas sur la route. Qui sont en place, qui sont pas fait peur pour l'instant. Enfin, l'arme machin. Aucun point de marqué pour le moment. Go face avancée. On va vous remettre un peu le scoring, comment on marque les points, vous compreniez. Il y a un point par kill. Go vite faire le métal ensuite, ici. C'est les placements. Parce qu'on va manquer de maps sur la route. Ah, moi j'ai pas beaucoup, hein. Très très peu de maps. Donc il y a une autre grosse là. On va voir qui c'était les mecs qu'on attaquait en vrai. Let's go. Go. Ah, mais quelqu'un a 6 maps là? Non. Non, j'ai pas. Bizarre, j'en ai que un sur moi. Attends, vas-y, monte vite. Et s'il en a qu'un, ça veut dire qu'il y a du monde qui est déjà passé par ici, forcément. Allons voir justement d'autres équipes. Comme ça, on fait un petit peu le tour. Il y a Clément, Juliette et Aureliane, une équipe assez intéressante aussi. Juliette a passé énormément de temps sur Fortnite. Elle aussi, elle avait un sacré level quand même. Pour ceux qui suivaient un petit peu ses streams, vous savez de quoi je parle. Aureliane aussi, qui a eu sa période, je me rappelle, des Master Kills à l'époque que j'avais organisé justement... pour mettre en avant les streameuses, etc. Où elle était présente, elle avait quand même un vrai, vrai, vrai level. Et qui font équipe avec un Clément, qui rappelle, avait gagné la Lyon Esport et qui est quand même un palmarès plus que correct maintenant. Donc cette équipe aussi peut. Bah ouais, j'ai pas fait exprès. Mais trop content de revoir Gotha jouer. Ouais, j'ai réussi à le faire revenir sur Fortnite. Putain, quel effort. Bon, j'espère que franchement la game 2 se passera beaucoup mieux pour eux. C'est bien, Juliette. Mais très content quand même de le voir ici ce soir. Je vous rappelle qu'il était en nuit blanche avec Mikalo. On s'est fait plaisir hier. Il peut jouer sur les résultats ce soir. On verra. Ne mettez pas trop de pression. Ça sourit, ça. Oh, j'ai un grappin, c'est quoi? Il y a une bonne humeur ici. C'est fort, je pense. C'est pour pêcher. Écoutez, les gars. Non, ça va, on est bien là. Enfin, on full farm la vie, mais. Et on a un peu de vie, non? Oh là là, c'est Aurélien qui donne les coups. Clément au chômage. On va devoir. Clément au chocho. C'est quoi cette voiture? Oh, mais Aurélien, elle déconcentre. Ah non, c'est Juliette, mec, qui va être là. Même Juliette, elle a parlé en tel jeu en fait. Mais moi. Oh non, mais les deux, c'est un. Appuie sur C.
Rappelez-vous du trailer qu'on a fait, c'est exactement ça, quoi. Deux VIP qui choisissent la merde et un Clément qui essaye de gérer les troupes. Clément, impose-toi. Je crois. Regardez, Clément, il s'en fout, Clément, il est parti. Jouez, jouez, les filles, jouez. C'est incroyable. Il y a une équipe pas loin, il y a deux équipes pas loin qui sont en train de rotate. Hein. Sortez, sortez, sortez. Et voilà, lui il voit justement, en plus c'est du traité donc qui est en train d'arriver, c'est Robabs, Akitio et Yuna. On peut pas, Yuna justement qui avait gagné hein, cette fameuse soirée du lundi spéciale streameuse. Akitio, Yuna, Robabs, c'est un peu plus organisé, c'est un petit peu plus sérieux. Oui, ils ont raison. Il y a quand même de l'enjeu, hein, je vous rappelle, on va vous remettre les cash prizes, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à leur place? C'est ça la question que vous devriez vous poser. Déjà, qu'est-ce que vous auriez sélectionné en tant que joueur pro? Qu'est-ce que vous auriez sélectionné en tant que plus sain? Imaginons, vous avez été invité en tant que VIP et vous pouviez constituer votre équipe. Et ensuite, dans quel état d'esprit vous auriez été ce soir? Dites-le nous. Je rappelle qu'il y a les pouvoirs, hein. Regardez, Andilex, ça peut être intéressant de passer sur Andilex, là, parce qu'il a pris le pouvoir du fief de Fatalis. Justement, vous l'avez compris, avec cette nouvelle saison, l'arrivée des Marvel, le patch des super-héros, le fait qu'il n'y a plus trop d'armes mythiques, hein, il n'y en a plus du tout, mais par contre, il y a des pouvoirs maintenant qu'on peut gérer. Alors là, ce qu'il a, c'est le gant justement du fief de Fatalis qui permet d'envoyer à l'infini des petites petites boules qui font quand même des gros dégâts de zone, et en plus de ça il peut éviter les dégâts de chute. Je pense aussi pour ça qu'il a gardé Andilex, parce que du coup t'as cette capacité à pouvoir t'envoler et cancel les dégâts de chute, donc ça va être intéressant. Je pense que c'est très stratégique de l'avoir, cet item là bon. Kaolis qui est pas venu pour rigoler là, vraiment on le voit on fire. Kaolis, c'est ta game. Mort. Ça c'est propre. Ça c'est propre, ta ça. Game Kaolis, mais attention après on va parler des VIP. Fous juste avant dessous là. On l'a dit, game 1, c'est la game des pros. Oh, j'ai grenade de choc, tu l'as vu? Tu es 50? Oh, j'ai un spot. Mais faut répondre présent, et là, Kaolis. 4 kills. Ok, 4 kills. Le KO. Gros bleu, je sais pas si. Ouais, tiens. Ça fait plaisir. Grêle, sans le souci. Never say yes, en haut à droite de votre écran. Vous avez la barre des feeds. N'hésitez pas si vous voyez des petites infos, des morts un peu qui vous intéressent, ou vous voulez qu'on revienne un petit peu là-dessus, vous nous dites. Mais là, il reste encore 66 joueurs. C'est une grande majorité. Je vous rappelle qu'ils étaient 79 au départ. Donc vraiment, quasiment, là, les trois quarts, hein, même plus que ça, sont encore debout, sont en train de jouer plutôt sérieusement, sincèrement. Je suis impressionné, je m'attendais à plus de VIP qui se fassent éclater par des pros lors d'une rotation, forcément. Mais en fin de compte, tu vois que ça suit, que c'est organisé. Snazy qui vient de tomber JP, on le voit justement au haut à gauche de votre écran. Et on ira aussi voir Michou, Inoxag, là, on les a pas vus pour le moment. Aubameyang, hein, on l'attend toujours aussi, je l'ai pas vu. Studio Daniel, on l'a pas entendu aussi avec Skype. Il y a du monde, hein. Faites-nous tourner un peu les caméras, là, on a du bon monde à aller voir. Alors que là, on tombe sur l'équipe Grizzly avec, vous l'avez vu, Théo, Snazy et Myers qui louchent. 3 Grizzly, il n'y a pas une balle qui touche. Hein. Belle structure en tout cas. Hein. Je vais pas faire de référence au foot, mais il n'y en a pas une qui rentre. Quoi. Bah alors, on se permet, c'est la famille. Il y a 3 Grizzly, non, non mais vraiment, il n'y a pas une balle qui a touché, frère. J'avais envie de... Faites gaffe dans notre bac quand même. Hein. Ah, super. Ouais, je vais reprendre... On me dit que Aubameyang est tombé au combat, malheureusement pour le moment. Donc ouais, Aubameyang qui est tombé, c'est une info qui me vient directement du chat, merci. Donc c'est pas trop grave, vu que c'est la game, comme je l'ai dit, pour les pros. On aura l'occasion, lui, de le voir briller un peu plus tard. J'espère qu'en tout cas, il a compris dans quel genre de tournoi il était... intervenu, X-Quiz, là voilà, ça part directement en Bullfight X-Quiz qui a une belle équipe avec Yoshi, et je vous rappelle le petit frère de ma gueule. Donc si il a le même sang que son frère, techniquement il est censé avoir un sacré niveau, le ma gueule junior. Et pour l'instant X-Quiz qui a compris qu'il devait essayer de jouer les points parce que ça s'est mal passé. Ça a essayé quand même de se défendre, mais tu vois, je vous l'ai dit, les top équipes sur le papier ont eu quelques petits soucis pour le moment. Pas toutes, bien évidemment, je repense à celle de Skyhard Jibs, qui doit être encore en train de se balader. On voit Juliette, Clément et Aurélien, voilà, être passé un petit peu plus aux choses sérieuses. Ou tout à l'heure, ça rigolait dans la ville, il y a un temps pour rigoler, mais il y a un temps pour jouer. Juliette, face à Blax, qui prend l'ascendant, même si Aurélien est tombé face à Max Salibur. C'est ça qu'on veut, voir des fights qu'on n'aurait jamais cru voir, et peut-être même voir des gagnants qu'on n'aurait jamais pu espérer. Clément, qui a tombé Nems, le VIP. Forcément, un pro face à un VIP, c'est souvent dans ce sens-là que ça se passe. Mais attention, Clément, Juliette, reste debout. Il y a deux teams, une à gauche, une à droite. Il va rester plus qu'un VIP et le joueur pro. Et je suis morte comme une merde. T'es pas la seule, Aurélien, ça peut te rassurer. Mon gars, c'est une balle d'air. Oh, je vois Studio Daniel encore en vie. Est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce que c'est Arthur qui joue? Est-ce que c'est Daniel? On va écouter Studio Daniel avec, je me rappelle, Skyte et Dejna. Je pense que c'est peut-être Arthur qui commence, hein. Je vous rappelle qu'ils seront deux dans... Mais c'est moi, je suis là. On va Skype essayer de... Ah non, c'est Daniel qui joue. Faire attention sous les marches. Non, c'est moi, c'est moi. Oh, c'est Daniel qui joue, attention sous les marches. On écoute, j'adore. J'ai peur. J'en rêve. Viens avec moi. Ok, j'arrive. Viens en bas. Daniel, on va rester ensemble. Oui, Daniel. En gros, il y a des mecs qui sont là, regardez. Quand tu fais une forte, faut la fermer. Moi, je sais pas de porte. Ah oui, il y a des mecs juste en...
Moi, là, je fais un. Daniel qui fait des portes, moi, ça y est, mon cœur. Il y a des mecs au-dessus nous. Va lâcher là. Daniel qui fait des portes. Non, non, elle en fout les titres, mon gars, mais gros. Je veux faire une duo avec elle un jour. Par contre, si elle fait un kill ce soir, la tête, ouais, mais je veux qu'on explose Twitter. Vraiment, si Daniel fait un kill, explosez Twitter. Pour l'instant, je crois que c'est Arthur qui a la main sur la manette. Mais ils vont switcher à plusieurs moments. On leur a conseillé sur les premières games de faire jouer Arthur parce qu'on vous l'a dit, c'est les pros qui ont mène la danse. Derrière, quand ils seront un peu moins armés, les pros, Daniel prendra la relève. Mais elle est derrière, elle regarde, elle donne des conseils à Arthur. Pour ceux qui connaissent le groupe, ça risque d'être très marrant parce que je crois qu'ils font aussi une vidéo de leur côté de ce petit moment. J'ai hâte de voir les coulisses. Michou et Nate, est-ce que vous l'aimez cette trio sur le chat? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous la soutenez cette trio là? Ça normalement doit vous plaire hein, avec Nate techniquement qui toujours fait partie de ces joueurs francophones les plus performants. Mais là il est en plus très bien accompagné. Inoxtag qui a été monstrueux la dernière fois que j'ai joué avec lui en arène. Et Michou qui nous avait fait carrément, j'ai pas peur de le dire, gagner le tournoi en créatif. Et qui nous avait fait être champion d'Europe en créatif. Donc regardez, c'est même Michou là. C'est même Michou là qui fait parler un petit peu les balles. 35. On peut mettre à l'abri l'équipe au cas où il y a la Storm Surge. Ça met des 25 pleines têtes. Oh non, 1000 baisers. Attention, trop open, hein, rappelez-vous. Les balles de snipe, ça peut venir cartonner. Ah oui, ça c'est abusé du coup. Les fans de Kaito Webby, c'est aussi stack que les FNCS. Je suis très choqué de voir autant de gens en vie sur la première game, tu vois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, la première game, attendez-vous pas à grand chose. Et bah, on va avoir un vrai late game. C'est bien, Nate, qui vous avez vu. Il donne les petits avertissements, attention à ça. Tu peux prendre sale balle. C'est pas grillé. Vous êtes tiré. La Storm qui apparaît dans Charlie ton VIP, mais c'est dingue de voir ça. Alors que là, il y a un énorme massacre, on essaye de gratter ce qu'on peut. On a une belle vision grâce à Nate, justement. C'est Blax et justement l'équipe de Juliette qui ont fini par se trouver en plein face à face. Et ça part à l'avantage de l'équipe de justement Blax hein, qui reste debout. Il reste quand même Clément, le pro de Aurélien et Juliette, mais qui va plutôt essayer d'éviter le combat. Hein. On a vu justement aussi Skype engagé de son côté un petit combat. Là, ça commence à s'animer de tous les côtés. Avec des blancs. Opportuniste là-dessus. Une belle vision de jeu soutenue. Très rapidement, je crois, par Michou. Mais ça prend pas de kill. C'est dommage. Beaucoup de dégâts infligés, mais on n'arrive pas à mettre l'élastique. Forcément, il y a beaucoup d'opportunistes. Clément, qui a été malin, qui essaie de contourner, mais la zone le gêne pas mal. Et du coup, tout le monde va un petit peu céder pour aller le pousser. Et Nate a call, qu'il allait sûrement tomber. Vous avez vu que l'équipe rouge en bas qui pourrait s'y profiter là sur Nate. Mais il y a du respect. Vous m'en donnez beaucoup de respect. Si vous pouvez me donner genre toute ta brique Michou. Tout. Ouais. Est-ce que vous avez un pad bleu genre dans le truc ça aurait été lourd. Au pire tu claques une répu pour nous. Ouais ouais, on va faire attention. Alors là c'est peut-être la seule fois de la soirée vous allez voir les VIP donner du stuff aux pros. Oh la Storm Surge sur Meshwe. Oh la Storm Surge peut forcer Meshwe. Moi l'idée de noir rentrer dans le tas. Il y a personne qui meurt. C'est fou de voir la Storm. Mais oui, c'est fou de voir la Storm Surge comme ça éliminer, décimer une équipe. Et ça fait beaucoup de dégâts, il faut réagir. Alors même si là la Storm Surge va disparaître dans pas longtemps, mais des dégâts non encore en dessous. Faut pas espérer qu'un kill se passe, il faut y aller. Il faut y aller, ça viendra sinon. De l'autre côté. Aïe, aïe, je vais mourir de la Storm Surge. Et oui, on entend là. J'en ai touché encore. C'est bien Wally. Je suis mort, je suis mort. Et là, Meshwe qui s'est fait encercler en attendant, qui vient de tomber. Je suis mort. J'ai ouais bah c'est la pression de la Storm Surge hein. Les serveurs e-bug c'est une horreur. Vous l'avez compris, la pression de la Storm Surge, qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté bah Meshwe il voyait que ça n'avançait pas, donc il fallait aller faire des dégâts, il a avancé. Il s'est retrouvé du coup à rusher en Dilex hein, chose qu'on déconseille fortement bien évidemment. Alors qu'au même moment Walid venait de mettre quelques hits et les avait libérés de ça. Après forcément c'est un bad timing pour eux. La pression, la première game. En plus c'est une équipe qui s'est montée au dernier moment hein. Ça doit être la dernière team qui s'est inscrite, celle de Meshwe et donc du coup forcément ça peut se comprendre, mais attention, il y a encore 3 games derrière, on va pouvoir se faire plaisir. Je rappelle que le top 5 gagne du cash price, on va pouvoir vous remettre avant de rentrer en late game, hein, rapidement les scoring de points, les cash price là en bas de votre écran, histoire que vous en profitiez une dernière fois, parce que là, vous l'avez compris, ça va maintenant rentrer dans la dernière partie de la game, la moving zone, là où normalement les VIP vont être dépassés. On va le voir justement dans quelques instants. Bad Sniper qui a pris les choses en main, qui extend et qui on va écouter parce que Bad Sniper a gagné déjà une édition de Kariton VIP. Dès que ça te touche, dans la box. Faudra que tu drops ton métal. Je vais drop ta brique. Ahmed qui avait été réanimé, elle vient de retomber. Dans le back. Et on a une belle action là pour le bouseux. Je te suis. Rayos et Bad Sniper qui Bad Sniper se concentre sur la zone. Hein, même s'il est en dessous de la Storm Surge, il a l'air de faire confiance aux kills qui vont arriver d'ici là. Il est pas inquiet du tout. Après, ils sont pas très loin en dessous. Bravo le chat. C'était Cyril, hein, vous avez été très très nombreux à répondre juste. C'est effectivement Cyril qui était avec Bad Sniper lors de leur victoire. Casse, ça bug, vas-y. Et là, il y a beaucoup de monde en ligne. C'est fou ces GameStacks dans un
format aussi fun techniquement. Et là ça vient rentrer pleine face dans la box de Bat Sniper. On voit qu'ils essayent de se défendre comme ils peuvent là. Va falloir éliminer un maximum de gens pour pouvoir avoir une moving zone un petit peu plus fluide. Never Say Yes reste aussi en dessous. Keolis, hein, l'homme en forme de cette première game, et lui aussi dans la mêlée actuellement. Maintenant on sait pas combien ils sont réellement par équipe encore debout. Celle qu'on est sûr de savoir, c'est celle-ci. Ils sont 3 debout avec déjà 4 kills de confirmés. On va voir aussi avec Skite, Arthur et justement Dejna sous les conseils, hein, de Daniel. Comment vont-ils gérer cette hauteur? En fait là faut que des gens meurent en fait. Ok c'est bon, on est bon. Skite expliquait l'ascenseur justement venez. On construit, on avance ensemble. Il met des petits trucs et tout Arthur. Ils ont la hauteur mesdames et messieurs. Ils ont là, la hauteur. Et maintenant on tire sur tout le monde en bas là. Mais c'est bien ce qu'il fait Skite, encore une fois exemplaire en tant que pro. Il donne les bons conseils. Vous avez du heal ou pas? Genre du shield ou pas? J'ai un bouclier, j'ai des bandages, je m'en mets un là. Tu veux un bandage ou pas? Putain j'ai encore utilisé mes trucs, mais moi j'ai une trousse de soin si tu veux. Mais je te mets un bandage. La trousse de soin 10 secondes, est-ce qu'ils ont le temps? Ok avancez, construisez. Je rappelle qu'elle mode sensue, donc là tu kiffes. Point de vie, ça bien évidemment, okay. Vous avez l'habitude maintenant, je ne précise plus. Ok, on attend. Vous la voyez, un instant avec ce plan large en haut, et vous voyez que justement, ils ont la hauteur, je suis impressionné vraiment. J'ai envie d'entendre Daniel hurler de joie pour Arthur. Mais t'es pas terre un peu le. Ou pas? Donne-moi ton pistolet. Elle doit franchement. Moi je l'ai en or, tu veux. Sincèrement, dites-vous que ça va être à elle après, ça va être dingue. Nate, ça y est, il fait enfin parler son talent. Il vient de valider 2 kills. Nate, ça les met en place. 4 kills même pour Nate en tout actuellement. Un kill pour Michou qui essaie de se positionner. Alors que pour l'instant, vous voyez justement Arthur essayer de sur Nate. Il y a des mecs qui par la puissance et par le skill arrive à rentrer dedans et il trouve la bonne balle de pompe sur Akitio. Nate qui est en train d'exploser là dans ce late game. 5 kills déjà pour le joueur Grizzly et c'est pas terminé. Il reste encore plusieurs joueurs. Est-ce qu'il va avoir le temps de se mettre au moins une grosse pote? Ça va être compliqué de mettre les deux vu la rapidité de la moving. Il va peut-être la tenter. Il la passe en force. Il est le dernier survivant. Michou qui était resté aussi très longtemps. On rappelle que la hauteur est toujours entre les mains de Skype qui peuvent amener son équipe avec Dejna, avec Daniel justement sur le top 1. Mais Nate a pas dit son dernier mot. Nate est actuellement en train de défoncer tout le monde sans construction. Il n'ira pas plus loin. Le bouseux est passé par ici avec Bat Sniper. Et le bouseux qui vient tomber, Robabs, joueur pro d'une autre équipe. Forcément, il va rester plus que 5 joueurs. On a toujours Skite et Dejna sur la hauteur. On a perdu Arthur, mais ça peut tenir. Est-ce qu'il en reste déconstruit? Pas énormément. C'est un 2v2, mesdames et messieurs. 2v2. Team le bouseux d'un côté. Team Skite de l'autre. Skite catch up directement. Skite qui l'est évité avec la répulsive. Le play de Skite. Le play de Skite sur le bouseux. Le play de Skite sur le bouseux. Et Hugo Daniel qui remporte la première game de Carito VIP de 37 000 viewers. On a gagné. Écoutez là. Oh mon dieu. Ah là 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 là. Yes. Double, double, double. Nous sommes les premiers. Ça parlait mal sur les réseaux sociaux. Incroyable. Incroyable. C'est super bien. Et oh là là. T'as vu comment il est fort, Arthur, Daniel? Ah bah ouais, mais. J'ai joué un peu avec lui. C'est les conseils de Daniel, hein. On dira ça forcément pour l'histoire. Trop fort, Arthur. Oh là 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 là, avec un Skite, bien sûr, avec un Skite. Qui est le joueur Skite pro tout fait, là. Qu'on aimerait et avoir. Ça, mais... Qui donne des bons conseils, qui accompagne sur la game 1. Bah, il n'a pas joué besoin avec de toi, le faire. Lulu, hein. C'est trop mignon. Vous entendez Daniel qui donnait. Oh, il reste 20 personnes, attention. Est-ce qu'il faut retourner? Moi, j'y suis retourné. Allez, on va laisser se mettre en place pour la deuxième game. Et déjà que de l'émotion. Alors, on va voir s'ils sont réellement promis parce qu'ils prennent les points de top, hein, vous l'avez compris, avec ces 14 points de la victoire royale, mais on a quand même eu beaucoup de kills sur certaines équipes, donc ça va se jouer, mais de voir Studo Daniel dans le top du classement, déjà, c'est fou, c'est fou. Allez, le classement est prêt, mesdames et messieurs, on y va de suite. Classement. Oui, classement, et le voici pour le moment avec Bat Sniper. Forcément, les kills plus le top 2 leur permet de prendre cette première place provisoirement, mais regardez à la deuxième place qui on retrouve Skite, Dejna, et Studio Daniel. Il y a une voilà, c'est le pseudo Fortnite qui est indiqué, mais c'est bien Studio Daniel qui est avec 16 points pour le moment, juste en dessous égalité avec leur kill bien évidemment en plus, hein, vous avez vu qu'il y a 2 kills pour l'équipe de Skite, 7 kills derrière. Il y a une équipe qui a fait 11 kills, hein, c'est celle de Keolis. On les avait vus en grande puissance en début de game, mais attention, Keolis ne pourra pas faire ça toutes les games parce que Keolis va prendre des malus au fur et à mesure. Donc c'était son moment, il a été plutôt dans les clous, hein. Il a répondu présent, Keolis, top player de la première game, on peut clairement le dire.
avec un Skype qui a été surtout dans son rôle de joueur pro, conseiller, et il a compris qu'au moins maintenant il a donné toutes les cartes en main à ses coéquipiers pour aller performer plus tard. On revoit un Akicio, Robabs et Yuna, morts très tard, ils ont fait un bon top 3 avec beaucoup de kills quand même. Nate, Inox et Michou qu'on a vu aussi sur ce late game, ils se placent très bien avec cette 4ème position. On va un petit peu plus bas avec Andilex, 4ZR 7ème accompagné de Sami Lumine et de Rocky, joueur pro FIFA. Never Say Yes avec son frère jumeau Evita, son 8ème actuellement. 9ème, on a Marcotte, Ahmed, qui est youtubeur et même streamer maintenant, qui font équipe avec Zfar, un collègue à lui, et qui sont maintenant voilà, bien positionnés dans le top 10. On descend un petit peu, vous avez vu, on cherche les noms attendus. Je pense à Tixi avec Amaru et Enateos, 12ème pour le moment. Nems, hein, forcément, on le connaît, il avait même gagné les premières compètes Fun Fortnite hein, à l'époque, même s'il y joue plus trop, ça reste un joueur qui a de grandes facilités, donc ça ne m'étonne pas de le voir aussi haut. Dimitri avec Alpha et Flamby, Lyzen avec Aubameyang 15ème pour le moment, on ira les voir, hein. Tiens Aubameyang ça me tient à cœur, on ira les voir, on ira les entendre, mais c'est plutôt une entrée correcte hein, dans le tournoi, il reste 3 games je vous le rappelle, et après derrière bah, y a ceux qui ont malheureusement un petit peu contre-perf, mais on le sait en une game tout peut basculer. Studio Daniel, l'outsider, et elle fait très peur maintenant, il y aura du respect sur son blaze, et ça fait plaisir. On est en train de démarrer la game 2, on corrige manuellement le classement parce qu'en gros il y a eu des comptes qui ont mal été, voilà, ça arrive, c'est des VIP, on leur en veut pas, c'est pas la Dwight Cup, il y a des comptes qui ont mal été liés avec notre scoring, donc on corrige ça à la main, on vous remet tout ça dans un instant après la game 2, et sinon on me dit que Théo a offert 20 subs, mais attention Théo, faut se reconcentrer parce que la game 2 a démarré. On est reparti, on est sur Aubameyang, on va les écouter, on voit un spawn plutôt sympathique, plutôt safe techniquement, parce qu'on est vraiment bordure de map, en bas à droite de la carte. Hein, vous connaissez. Oh, je vois comme... Non, c'est bon, c'est la team, c'est Lyzen, il est avec lui, tout va bien. On les écoute. Par contre, c'est relou qu'ils aient changé le truc des coffres, vraiment. Aubameyang hein, qui dit ça, hein. Et du coup, on voit qu'il suit la méta. Donc, si vous n'avez pas suivi, si vous voulez comprendre ce qu'il vient d'expliquer, avant, il y avait un taux de loot sur la saison précédente, un taux de loot de 100%, c'est-à-dire que les coffres étaient à 100% là, au spawn où on l'attendait. Ils ont modifié ça, et je crois que si je dis pas de bêtises, le chat nous corrige, ils l'ont repassé à 50% comme c'était à l'époque, et finalement, bah, c'est un peu compliqué, et c'est ce que Aubameyang critique, en mode, bah, mec, j'ai plus mes coffres, quoi. J'arrive, il n'y a pas de coffre, je fais comment. Bon, heureusement pour eux, il n'y a pas de fight, mais il y a des fights ailleurs. Donc, pour l'instant, Aubameyang, on les retrouvera plus tard. Vous voyez qu'ils ont un spawn plutôt safe et qu'on a compris directement que ça suit. Gotaga qui vient de faire un kill sur 4ZR à l'autorité. Qu'est-ce qui se passe à l'autorité là? Qu'est-ce qui se passe ici? On a vu Gotaga débloquer encore une fois les hostilités très agressifs. Hein. Ils ont compris aussi qu'il fallait rattraper aussi les points perdus. Donc ils y vont pas gentiment et ils ont bien raison. En plus, c'est trois joueurs qui se connaissent quand même très très bien. Il y a une vraie affinité entre les trois. Certes, ils sont tous les trois Vitality, mais il y a aussi le côté, ils ont beaucoup joué ensemble. Donc la communication est fluide. Techniquement, Skyart là, on est un peu en difficulté avec No Ward et Jim. Il joue avec qui déjà? Il joue pas avec une équipe forte titée? Tiens, je sais pas. Aïe, je vois No Ward rester debout, mais Skyart et Jibs sont tombés. Je vous rappelle que là, on est sur la game 2. Donc le premier malus pour le joueur pro est arrivé. Les joueurs pro ont le droit d'avoir qu'une seule arme. Le fait qu'il n'ait qu'un seul pompe et du soin, bazooka à bandage, les mini potes, etc. Donc là, Airwax, qui est le pro de l'équipe, n'a le droit qu'à une seule arme. Rappelez-vous, les malus, on vous le rappellera aussi régulièrement, mais là, on est sur la game où le pro ne doit avoir qu'une seule arme. Il est possible que parfois, ils en ramassent une sans faire exprès, s'ils la jettent très très vite. On est assez chill avec ça. Mais voilà, rappelez-vous, game 1, pas de malus, on vient de la faire. Et la game 2, un slot d'arme pour le joueur pro. Et du coup, après, il doit avoir des soins, des trucs à la con pour aider les collègues. Donc là, c'est déjà aux joueurs pro un petit peu de se mettre en retrait et de laisser un peu les VIP briller, faire des kills, prendre des risques. Parce que eux, ils peuvent pas être en même temps forts à distance, en même temps forts au corps à corps. C'est pas évident. Pas évident pour le joueur pro, surtout qu'ils ont pas l'habitude de ce genre de malus. Donc en plus, tu dois faire attention, tu dois toujours y repenser, etc., etc. Mais maintenant, ça va parce que voilà, il y a beaucoup d'autres stuff, type les boogies ou quoi que ce soit, qui peuvent être utiles. Tu vois, tu peux être utile même sans avoir d'armes. Ouais, sûrement. Allez, Black. J'ai PF. Hein. Ah, vas-y, on peut pas build. Oh, je peux pas build ici. Ouais, ici, c'est un peu compliqué comme... voilà, heureusement, il s'est décalé sur la droite. Il a été très malin, Black. C'est pas enfermé dans... Dans la compréhension. Un HP pour Ram. Sur moi, il est 66. What? L'autre, il me replay, c'est qui? Over. Est-ce que ça va suffire face à Titati Tutu, qui a été très très brillant sur la Zlan. Je peux pas t'aider. Titati Tutu qui fait équipe avec 60s. Et Nico, Overtech, qui lui est avec Black et Nems. Mais un HP justement pour Overtech. Et on a donne un, je crois pas, faut le finir. Faut aller chercher des points de vie. Effectivement, il vient de récupérer 50 points de vie, Overtech. T'as pas des mini? J'ai rien, j'en ai plus qu'une. Deux contre deux, techniquement. Vous voyez, Titati Tutu et 60s en haut à droite de l'écran. C'est le face à face que vous avez ici sous les yeux. En dessous, ils sont en dessous là.
Et on voit que ça comme assez de manière assez clean hein. Du côté de Blacks et Overtech, ça et ne c'est la blonde, réagit c'est... pas plus que ça. Ils prennent leur temps en bas, on a entendu hein, les points de vie se régénérer au bazooka. Ouais, et là on a en trouvé on a trouvé un adversaire, on essaie de l'isoler. Malheureusement Blacks. Vas-y Blacks. Il a pas d'arme, il a pas d'arme, il a qu'une arme et pourtant il y arrive quand même. Oh, avec la pioche pour finir, il faut ramasser au moins voilà, il a ramassé tout ce qu'il fallait. Alors est-ce qu'il reste pas switch sur le pont là? Il peut switch, sais, ah oui, mais il peut lâcher la PM. Après, peut-être, enfin, je pense qu'il le sait, j'espère qu'il le sait. Hein. Il aurait pu lâcher la PM s'il voulait le pompe, mais finalement, avec la boogie, sur Titati, tu tues. Et c'est finalement Blacksou. Dépêche-toi, prends les. Blacksou. L'homme de cette trio. On pouvait pas parce que tu sais, ils étaient dessus. Qui vient de faire 2 kills, heureusement qu'Overtech, on a dans un peu plus tôt parce que ça aurait été compliqué de faire un 1v3. Mais grâce à Blacks, grâce à l'arme de Blacks, une seule arme. Je te jure, t'es pas. Il a fait le taf. Moi, je suis pas. Allez, vas-y, arrête. Carré. Et là maintenant on lui demande de faire tout le travail, forcément. On est sur Clément, il y a deux armes, hein. Faudrait quand même lui rappeler attention au malus. Clément, il y a un malus. Hein, je quitte. Ouais. C'est bon. Non, t'inquiète, on a vu, t'as lâché. Il a lâché très vite. C'est les VIP qui lui ont rappelé le malus. Ah ouais, on a oublié, putain. Merci à Aureliane et Juliette. Je suis en train de jouer tranquille. Lui, il est parti pour une Black Cup, tu sais. Bon, ça va. Il a pas eu. Regardez mon chat, ça m'a mis une arme. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, bah forcément, il y en a beaucoup qui sont en stream et je remercie les viewers qui vont rappeler ce genre de choses. Je vous rappelle que les joueurs n'ont pas l'habitude. Donc merci aux viewers qui vont sur le chat des joueurs et qui rappellent ça pour nous. Ça aide beaucoup. J'ai hâte d'un mode où on va pouvoir nous-mêmes empêcher que ça se fasse parce que bah, on pourra rentrer dans les réglages un petit peu plus violemment. Alors il y a un gros fight avec Akitu, Robabs et Yuna. En HP, on a tu. Les edits de Robabs avec uniquement une arme. Quelle arme? Ok, viens avec moi maintenant. Quelle arme? Le pas légendaire, on en rêve. T'inquiète. Essaye de la reste, reste là. Je m'occupe de le gérer. Bah, Kitio qui est capable, hein. Il est capable. Il a les épaules solides, il sait gérer genre de situation. Ça reste un joueur qui a été très très bon sur les BR. H1Z1, PUBG, même Fortnite, il a eu sa période. Donc, Akitu peut prendre ses responsabilités à des moments comme ça. Mets-toi ton medkit. Quand l'équipe en a besoin. Sur moi, qui? Et on va voir Robabs comment il se débrouille avec uniquement une arme. Dans le cône. Un requin qui nous sent mêlé. Oh là là, mais les edits sont très clean par contre. Hein. On voit que Robab, il est au top de sa forme. On l'oublie, Balek. Ok. Oh là là, on les a arrêtés. Je pense que c'est plutôt un bon call, plutôt d'aller s'enfermer. On va revenir à qui peut se cacher derrière. Je sais pas ce qu'ils ont fait, gros. Ça passe. Tant mieux. En vrai, tant mieux. C'est eux qui sont plus dans le game maintenant. Bah oui. On s'en bat les couilles. Ils sont arrivés, ils ont dépoit pendant une seconde, vraiment. Il y a deux mini ici, entre eux, quelqu'un les peut. C'est ça aussi, tu sais jamais sur qui tu vas tomber, quoi. Tu sais clairement jamais sur qui tu vas tomber. Sixy, je pense que ça vous fait aussi plaisir de le voir parce qu'ils sont en train de laver le lobby. On le voit dans la barre des filles depuis tout à l'heure avec Nathéos et Amaru. C'est vrai qu'ils ont déjà 6 kills confirmés. Il joue, lui, malheureusement, avec un pompe à charge bleu. Il a pas réussi à trouver mieux que ça pour le moment. On va écouter Nathéos qui vient de tomber en plus face à 4ZR. Allô? Ah, crac, mort. Il a pris une tête. Ah, 2v1 du coup. 2v1 si je suis bien. Allez, Tixi, c'est à toi. Bah ouais, mais il a pas l'arme. Il a pas une arme pifou. Pour être très honnête, là, le Tixi. Attends. Il y a un 4ZR face à Amaru. Et Tixi, et là faut se parler. Et là faut se parler, les gars. Attends, 3, 2, touché. Bien joué, Tixi. Nice! Let's go! Nice, mon frère! Nice! Tixi! Oui, vous pouvez, oui. On fire! Yes! Prenez ma carte, vous n'avez pas ma carte. Se doubler, un à gauche, un à droite. Et s'il avait un ailleurs, s'il allait le suivre aussi le tas. C'est ça, les frères, c'est ça, 9 kills. 9 kills confirmés pour cette équipe qui est venue slay violemment. Mais un Tixi qui se révèle. C'est vrai que quand t'as qu'une seule arme, finalement, le pompage charge, c'est pas un si mauvais choix techniquement. Ça peut. Voilà, ça, le problème c'est quand en face il y a des spaces, des choses comme ça, vous avez vu que ça peut mettre des grosses bastos. Mais vu que ça a la bonne mécanique, vous avez vu les déplacements de Tixi, ils sont très malins. Au moins ça peut faire un peu même le travail à mi-distance, c'est un bon. Alors faut voir s'il peut pas l'améliorer, mais c'est un bon compromis quoi. C'est un bon compromis quand t'as qu'une seule arme en tant que joueur pro. Donc malin, très malin Tixi. Ludo, face à Max Alibur. En tout cas ça a été tombé, Ludo. Je rappelle que c'est pas le joueur pro de l'équipe. Mange dessus, là. On voit quand même qu'il y a quelques points en arène donc. T'en as tué un. Ça bégaye pas. Il est mort. Finis-le. Mais Ludo qui peut être l'homme clé. Il y a 8 kills validés là encore par cette équipe. Il y a quelques teams qui sont en train de slay tout le monde. C'est fou hein. Les kills sont répartis en quelques équipes à peine mais. Attends, mais c'est avec le piège de feu au milieu de tout ça, il y a toutes les grosses qui crament. Forcément, cartes, si tu marches sur le feu. Ouais, les cartes. Tu perds quelques HP. En bas, la mienne. Et là, on met la pression pour aller récupérer les cartes. Et là, c'est peut-être. Tu l'as. C'est dur à gérer, hein, tout ça en même temps. Vas-y, prends celle de Sors. Moi, t'as encore 35 secondes. Sors, c'est bon, t'as la clé, sors. Et Ludo qui le veut, hein. Ludo qui chase. Ludo qui a faim. Ça reste toujours un point. Prends celle de Il se crame le cul, hein. Même si ça va, il a quand même les salades pour monter les points de vie, mais il se crame le cul quand même. Il est là.
Allez vite avec ce genre d'edit, c'est bien. En tout cas, vous voyez qu'ils sont dedans. Hein. Vous entendez la communication des joueurs. 15 secondes. Et une pression, et en plus, il doit aller récupérer la carte là. Nice. Voilà, et barre-toi, va nous réanimer au pire. C'est bien fait. Attends. Il le veut. T'es full ball, t'es bien. Il le veut, hein. Alors nous, on voit qu'il est très low life. Hein, il y a une grenade. Lui, il le sait pas forcément. Il doit se douter qu'il est low, mais peut-être pas à ce point-là. Et pourtant, il prend le risque alors qu'il a les deux cartes. Il pourrait techniquement. Ouais. Il pourrait techniquement juste aller réa. Hein. Il veut ce point sur crew. On va prendre un Je vais ouvrir. Je pense que c'est le bon call, Ludo. Il va aller utiliser le bus, ça va faire quelques petits bruits, donc attention à pas se faire surprendre de l'autre côté. Est-ce que Crew va en profiter pour se barrer ou est-ce qu'au contraire, il a l'air de vouloir jouer, hein. Il a l'air de vouloir le jouer, clairement. Est-ce que c'est une bonne idée? On va le savoir dans quelques instants. Les réanimations ont été cancel, donc déjà première bonne opération pour Crew, mais maintenant faut assumer le face-à-face. Le mec là, c'est un bon. Ouais, il est tombé sur quelqu'un d'assez costaud, faut être honnête. C'est un mec qui trop joue de ta mère, gros. T'as peur, il passe pas par quatre chemins. Non, Ludo, très très chaud, on voit clairement le niveau. Oh, c'est déjà mis. Mais par contre, Crew, qui vient de mettre plus de 100, parce que Ludo avait l'air d'avoir un petit peu plus d'HP que ça. Crew, pour l'exploit, franchement, c'est incroyable. Nice. Crew, tu es en train de lui donner une leçon là de fighting en étant. En plus de ça, sans la hauteur, ah, forcément, ça. Les deux là, c'est un très beau fight. Je suis désolé, mais on a vraiment quelque chose d'incroyable sous les yeux. La zone qui vient en plus de ça devient s'en mêler. Je vous rappelle que ça veut réanimer dans le tas. Les deux sont très low life. Ça va se jouer à la balle de space d'un côté comme de l'autre. On a un magnifique 1v1 avec le 300. Nice! Et ça passe pour Crew! Et ça passe pour Crew avec le petit mot de trop, je pense, hein, quand même. Mais bon, voilà, on sent que ça lui tenait à cœur à Crew. Elle est vraiment lente, hein. Et c'est lui finalement qui va pouvoir récupérer ce bus. Crew! Après, il y a un canon abandagé tout là-bas. Je vais tout chercher. Problème. Eh ben. Je me prends un trap. Incroyable. J'ai pas de shield en fait. Donc, le joueur va pouvoir revenir, Max Alibur. Hein. Rappelez-vous, c'est Max Alibur qui a le malus, pas les VIP. Je le répéterai jamais assez, je l'imagine. Donc, Max Alibur ne va pas revenir. Je crois qu'il avait pas la plaque de Max, il avait que celle de Tuffer. Donc, les deux VIP sans malus vont devoir, eux, aller le plus loin possible. En tout cas, ils vont essayer. Mais ce 1v1 était sublime. Il y a des bandages à 15 bandages, je prends les gros. Crew, pour moi, il a fait quelque chose d'assez formidable. Tiens, ça vous dit quelque chose cette équipe ou pas? Ouais, forcément, celle qui est pour l'instant première, deuxième ou troisième au classement. Il y a un mec qui a un super pouvoir là. Mais qui avait surtout fait le top 1. Mais c'est pas. Ok, on va pas bouger. En vrai, on peut se permettre. Allez, mesdames et messieurs, on va pouvoir s'applaudir tous ensemble sur le chat. On me dit que tous les streams cumulés, vous venez de dépasser les 115 000 viewers. Tous streams cumulés. Parce que je vous rappelle que vous pouvez aller regarder aussi de votre côté sur des duos. Enfin, sur des trios, vous pouvez switch, vous pouvez revenir. Il n'y a pas de problème, hein, c'est la liberté totale. Le but pour moi, c'est que les viewers passent le meilleur moment possible. Donc, si vous êtes plus heureux en ayant votre trio sous les yeux, type celle de Gotaga ou autre, il n'y a pas de problème. Profitez-en au maximum. C'est le but, clairement, de mes émissions, de rassembler les communautés, de rassembler les streamers, de rassembler ceux qui ont la même passion et de vibrer ensemble, voilà, dans la bonne humeur, bien évidemment. Et le tryhard, quand même, parce qu'on reste au fond de nous des vrais tryharders, malgré tout. Donc, très, très content de voir qu'on vient de dépasser les 115 000 viewers ensemble. On essaiera de se faire un point classement, parce qu'il a été mis à jour juste avant la moving zone. En attendant, on profite encore de ces fights, là, qui sont plutôt animés. Bat Sniper, le Bouzeux, Rayos, qui eux peuvent clairement jouer la victoire, hein, de cette édition-là. T'as joué ? On va voir, avant de parler de victoire, il va déjà sortir d'ici vivant. Je rappelle que Bat Sniper est le joueur pro, donc c'est lui qui a le malus actuellement. Vous voyez avec très 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 bon choix, encore une fois, comme sur moi, il y a une hog. Le pompe à charge, c'est le bon compromis. Finalement, très malin, j'y avais pas forcément pensé en mettant le malus, mais avec cette méta là, ça fait le travail. Ça va là ? Il y a 300 briques. C'était qui le chasseur ? C'était qui le mec ? J'arrive pas à le voir. Mais je l'ai vu, moi je l'ai vu, t'inquiète, je l'ai vu. On va aller le tuer après. Il y a la zone. Là, le truc, on peut le passer du bois là ? On sent le stress dans les bois. J'ai chaud. Enfin, la pression, pas le stress, mais c'est plus la pression du moment, de l'instant. Ah, mais attends, j'arrive pas à prendre la canapé. On fait quoi, les gars là? Attendez, le joueur est juste là au-dessus de ça, la colère. Il y avait une hog. Bah, Sniper qui doit se concentrer sur juste là dans sa position, se concentrer sur les. Attends, j'arrive. Les éléments qui l'entourent pour éviter que ses VIP fassent n'importe quoi. C'est aussi sa responsabilité, vous l'avez compris. Mais Rayos, en plein jump comme ça. Sur Blax. Mort, c'est bon. Ouais, j'ai venu vraiment. J'ai des bookies, j'en ai 5. Ensemble, coordonnées. Je vais le prendre, Et c'est sûrement ça qui fera la différence ce soir. Le team play. Clairement, le team play. J'ai Gogo avant. Il y a Fou. J'ai pas eu le temps de voir un couleur, elle est déjà partie. Airwax qui vient de tomber. Je crois qu'il avait fait quand même une très belle prestation. Et Gotaga. On veut pas bouger de là. On voit justement avec un petit sniper et une fois 4. Ah oui, carrément. Donc Gotaga qui aime jouer à distance. Très peu de munitions. Pas trop protégé sur le côté gauche. Alors après, ça a l'air d'être normal parce que c'est Mika et Erwa qui sont côté gauche. Vous voyez les deux flèches jaunes. Donc en fait, ça a l'air d'être très très organisé ce que viennent de faire les Vitality sur cette action.
Oui, bah, donc là, il est opportuniste, Gotha, il regarde un peu, voilà. Erwash qui est parti looter, qui va pouvoir se... Voilà, se faire régène par Mikalo, sans souci. On sent que niveau stratégie, ils ont toujours ce qu'il faut. Ça, y a pas de souci, ça bouge pas. On va aller à pattes. Et tiens, ça parle de Aubameyang. Est-ce qu'il est encore en vie, Aubameyang? Oui, vous avez la réponse tout de suite. Louis qui nous dit sur Twitter pour une fois que c'est pas lui qui carry sa team. Et oh, ça va pas faire plaisir à ses coéquipiers. Aubameyang. Après, c'est vrai qu'il a fait une saison incroyable, Aubameyang. Je suis assez impressionné. Je suis très, 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 très heureux de l'avoir avec nous. En plus, Arsenal, moi, ça a été une équipe que j'ai beaucoup suivie parce que j'étais fan de Thierry Henry étant petit. Donc, Arsenal, dans le cœur, toujours un petit peu. Donc, très, très heureux de voir Aubameyang présent ici ce soir. On va les écouter. On les avait pas écoutés énormément tout à l'heure. Et là, ça devient un petit peu plus tendu. Zéro kill, mais l'action est là. On n'entend rien, ça, merde, ça. On voit en tout cas qu'il a le vocabulaire des joueurs Fortnite, Aubameyang. Il est pas c'est horrible. Tu vois, il est professionnel, il s'est préparé. Il s'est dit, comment parlent les joueurs Fortnite? Ah, ils utilisent ces mots-là, hop, je les récupère et je les place. Hop, 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 hop. Attendez, c'est bien, Aubameyang. Hein. Merci, pas obligé. Alors, ça fait plaisir. En tout cas, on voit qu'il vit l'instant, que là, il est comme, je pense, vous le voyez rarement, hein, forcément, les sportifs, les joueurs de foot, on n'a pas vraiment l'occasion de les voir comme ça dans des moments détente. Alors que ici, voilà. Regardez, on est là aussi pour passer du bon temps, des bons moments. Ça se fait sur mon truc, là. Plaisir du côté de Sky Dojna et le studio Daniel. Est-ce qu'il pourrait y croire? Peut-être au deuxième top 1 d'affilée. J'avoue qu'il manque un petit feu de camp et on se croirait au camping. Ah bah là. Tu veux un petit peu de camp là? Attends, bah c'est bon, j'ai plus ça part. Qu'est-ce qu'ils sont beaux? Franchement, ils sont bien trouvés les trois. Hein. Ils se sont très très bien trouvés. Dans 30 secondes, il y a la prochaine zone. Allez, avant que la prochaine zone arrive, on va se faire un petit point classement s'il vous plaît, vu qu'il est à jour, vu qu'il a été corrigé. Petit point classement, je vous rappelle qu'il y a uniquement la game 1 qui a été comptabilisée. Donc voilà, on est sur quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Toujours cette première place pour Bass Sniper, le bouseux, Rayos avec ses 18 points, mais à 2 points à peine d'avance sur Skype qu'on avait ici à l'écran, sur Akitio aussi. Une égalité aussi sur la 4ème et 5ème place avec 15 points. Et vous voyez que ça descend. Et c'est pas énormément de points. Donc vous l'avez compris, hein, tout le monde peut rattraper. Il y a encore 7 games là à jouer qu'on est en train de faire. Et 2 autres derrière. Donc tout le monde peut revenir. C'est après la game 2 que ça va commencer un petit peu à nous donner, on va dire, les signaux pour savoir qui va peut-être remporter cette édition. Et je vous rappelle, en termes de cash price, on a été généreux. C'est réparti entre la première et la 5ème place, comme vous pouvez le voir juste en dessous. Ça va de 10 000 $ pour le premier à 1 000 $ pour les 5e. Allez, on revient au direct, on revient au gameplay. On a Nate en haut à droite avec uniquement Michou, hein, Inox, qui malheureusement n'a pas pu survivre aux rotations mid-game. Mais voilà, Michou, Inox, qui avaient l'air d'être les deux joueurs les plus en forme de la trio tout à l'heure, sont encore là et ils sont en train d'appuyer sur une équipe qui, elle, vise carrément la victoire de cette partie-là. Nateo, tombé au sol. Tu vois, il coule là ? Parfait, vas-y. Tu vas essayer d'être réanimé, mais pas le time. Avec un Nate précis qui vient finir le VIP de l'équipe de Tixi. La réaction que t'as fait quand t'as vu qu'il était dans le blanc. Moi, je crie, moi. Blanc. C'est bien, il met l'intensité. Et vous voyez que du coup, les VIP découvrent un petit peu encore ça. Le Simichou, c'est pas le moins expérimenté de tous. Ça leur montre un peu dans quel état d'esprit faut être quand c'est la compète. Faut mettre de la voix, faut mettre de l'intensité, faut mettre de la tension pour justement aller chercher le meilleur de soi-même, comprendre que c'est l'instant présent. Et ça, c'est vrai que Nate, c'est un expert de ce genre de moment. Il en a gagné des compètes. Et là, faut peut-être se parler un petit peu plus. Ils l'ont tué. Et ça fait un kill supplémentaire pour Michou. Mettre une splash. Sur Royalis. Attends, mais il a été fini par Tanok. C'est Royalis. Il y a Kizik qui se contacte à nous, il est tout seul, hein, faut se souvenir. C'est le. Toi, chapiteau, Nate ? Lequel ? Ouais, c'est moi. T'as failli le piéger, gros. Ouais. Il est soutenu sur. Il est tout seul en face de nous, Michou. Et c'est le pro. Notre cher Nate peut réagir tout au long de la soirée sur le hashtag. Carry ton VIP. N'hésitez pas, on est en train de grimper en tendance de ce qu'on me dit. Il va nous rester encore 2 games à vivre après cette dernière moving zone. Et pour l'instant, c'est Gotaga, Airwax et Mikalo qui ont récupéré la hauteur. Un grand classique pour Airwax. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à la conserver? Niveau construction, ils ont l'air d'être en place. Il y a cette équipe-là qui fait très peur. Très peur. Bouzibad et Rayos. Alors après, ils ont que 2 teams pour l'instant qui sont confirmés dans cette game-là. Mais on va avoir des beaux affrontements. Il y a beaucoup de trios encore debout. Prends pas de risque. En vrai, écoute, se passer maintenant, je sens qu'on va prendre 20 ans à se passer. Vas-y. Fais son apparition, mais je pense pas qu'elle va clairement avoir le temps de s'activer, la tempête. On est à 36 joueurs en vie, ça reste une moving très petite, il reste 38 secondes. Dès qu'il lance, tu sautes. On va voir, JP qui est tombé en tout cas. Et là, ils vont faire une triple répulsive, mesdames et messieurs. Il y a le décompte. Je suis trop bien. Matt, tu vas venir. Alors, est-ce que c'est bien réalisé? Je suis au high. Il y a un tic-tic qui s'est glissé là-dedans. Je vous vois pas, je descends sur vous. Il s'est pris 2 balles de pompe
justement par Bat Sniper, le joueur pro qui a eu le bon réflexe. Les Bouzeux ainsi que Bat Sniper vont venir écraser Tixi. Je suis là. Un Tixi qui avait fait beaucoup de kills, rappelez-vous, et qui essaye de survivre comme il peut. Il est low. Je crois que c'est une équipe au-dessus qui pourrait être tentée d'intervenir et Tixi va tomber définitivement face à Bat Sniper. Là. Et là le problème c'est que ça va enchaîner. Attends, par en dessous, Bouzeux qui se perd, c'est normal, il y a beaucoup trop de choses qui passent. Il faut qu'il soit allé très très loin. Il y a des adversaires entre lui mais il trouve le bon chemin pour venir. On a des repulses, très malin là-dessus, Bouzeux. Ouais, mais on peut pas les mettre. Très très au point. J'ai deux fins de poche, jeu, il est passé par le bon côté. Gota Gaerwak, c'est Mikael qui est en train de confirmer cette adversaire. Bouzeux derrière. Enfermé. Ah non, on peut pas. Par un moi, il a pas comme ça. Tranquille, les gars. Attention, ça reprend peut-être. C'est que du bois, au-dessus. C'est tranquille, Répulse, hein. Avec moi. Non. Ok, là j'ai répulse. Vas-y. J'ai répulse à deux. Le problème, c'est que. Oh, bien joué. Ça va, ça a été quand même bien rattrapé par Eos. Effectivement, Bouzeux l'a observé aussi. On a l'équipe de Daniel avec Sky de Jna plutôt calme, en train de jouer le top, en train de jouer la survie. Attention à celle de Gotaga, faut être capable de repasser aussi très vite sur eux parce qu'ils ont toujours cette hauteur et ils commencent à accumuler les points avec ces deux kills sur Airwax, avec ce kill sur Gotaga. Mais surtout maintenant, ce top 1 qui peut clairement être validé vu cette zone qui commence à être de plus en plus gênante pour les joueurs en dessous. On a cette hauteur qui leur permet d'être quand même assez à l'aise pour voir aussi le nombre de constructions qui leur reste au complet. Mais pour l'instant, ils sont pas trop dérangés. Est-ce que ça se traite? Non, vous avez vu ça. Là, le vocal est open hein, et c'est assez calme. X-Quiz qui a tombé, Daniel. Rios qui vient de tomber face à Antora. Kezix. Oh, j'ai pris cher. L'entendage. Qui vient d'enchaîner sur Bat Sniper. Alors que vous voyez un Sky qui essaie de survivre comme il peut. Au moment où on peut fait ça, Airwax était occupé par les soins de son coéquipier, donc c'est un bon timing pour Sky. Il a eu un peu de réussite là-dessus. Parce que dans les airs, quand t'es en hauteur, t'as vraiment la vision facile. Et là, malheureusement, pour Airwax, il devait prioriser les points de vie. Donc Sky qui peut encore aller chercher des points de top. Hein. Rappelez-vous le format. Les points de top sont intéressants. 7ème 6 points, 5ème 7 points, 4ème 3ème, tu vois, ça compte. Et là, il reste 5 trios en vie. Aubameyang qui tombe Gotaga. Qu'est-ce que j'ai fait? Aubameyang qui tombe Gotaga et qui vient tomber juste après Pharah Laizen qui vient de tomber, ça danse de tous les côtés. Il reste Mikalo et Airwax en situation de 2v1 face à Kezix. Mikalo et Airwax qui sont dans un calme absolu pour gérer cette situation. Qu'est-ce qu'il a repris la hauteur et ça passe pour Mikalo Airwax. Même si Aubameyang avait trompé Gotaga. Oh, j'ai fait une... La trio est en place. Les Vitality répondent présent. Mais moi, déjà, et plus jamais je prends l'airscope, c'est la pire invention du monde. C'est de la merde. C'est nul. Oui. Ah, désolé les gars pour ce gameplay exécrable de mon côté, genre c'est... J'avais l'impression que j'avais pas d'armes pour leur tirer dessus, gros. Même là, même l'espèce de enfin pas une FAMAS, mais celle qui tire rafale là, elle est pas... Pour laser, elle est pas folle. Ouais, la FAMAS, comme... bah faut je sais pas, non, le truc violet que tu m'as drop. Ouais, c'est un hog, faut du tracking. Ouais, j'ai pas de tracking. Bah faut avoir du shoot, frère. Il dit ça à Gotha Norm. C'est ça, carité. J'ai des contacts avec la SMG silencieuse, effectivement, comme tu m'as dit, elle est exécrable aussi. Genre, je lui mets là une balle de pompe, genre je crois à 140, et avec la SMG, gros, ça tue pas. Il y a peu de. Avant ça tirait trop vite, mais là c'est trop long. Je suis d'accord. Ouais, non, je vais pas prendre ça non plus. En gros, la bonne SMG, c'est la violette là, la petite. Ouais, c'est ça. Bah, elle est légendaire même. Le Uzi, là, il parle du petit Uzi là. Enfin, pas le Uzi, mais oui, la petite mitraillette rapide. C'est vrai que la silencieuse, la cadence de tir est devenue très très lente par rapport à ce qu'on avait auparavant. Puis c'est la petite qui ressemble à un Tech 9. Non, ça ressemble à un Tech 9. Ouais, ça ressemble à la petite mitraillette quoi. Non, tu vois pas? Tech 9, SMG. Ah, j'ai 90 au pompe. Ah, ouais, mais j'avais un pompe de merde, j'ai pas le stage. C'est de l'époque qui était pété là. Vous avez vu, ça débriefe tout de suite. Hein. C'est très technique tout de suite. C'est normal, on parle de trois joueurs qui ont l'habitude de performer sur divers jeux, diverses compétitions. Ils ont ce point commun là ensemble, les trois. Et donc, du coup, bah forcément, ça leur fait faire top 1 sur la game 2. Mais rappelez-vous, Aubameyang, on l'a vu durant le tweet là d'un des viewers qui tombe en Dilex et Gotaga. C'était son moment. Et je vous l'ai dit, les VIP vont prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'on va rentrer maintenant dans quelques instants dans la game numéro 3, on est en train de faire le point sur le classement, mais la game numéro 3 est en termes de malus, pas de construction pour les joueurs pros. Et bah justement, regardez, c'est inattendu de voir cette équipe-là premier, Emric Laporte, Aeko et Kezix sur la première position avec un bon average play, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne moyenne de positionnement, ils ont choqué aucune des deux games pour le moment, et du coup ils ont la chance d'avoir des équipes qui ont réussi une game et pas l'autre, ce qui leur permet d'être pour l'instant premier, et c'est très très étonnant, on les a peu vus, on ira peut-être un petit peu plus les regarder, 14 kills validés quand même pour cette équipe-là, avec un
une bonne moyenne de placement. C'est Kezix, hein, on me dit qui a fait top 2 avec 10 kills. C'est Nidal sur le chat, merci mon frérot. C'est pour ça que vous êtes mes co-casteurs sur le chat, vous aidez énormément. Et donc Kezix qui a l'air d'être on fire et qui peut amener son équipe le plus haut possible pour le cash prize. Pas Sniper avec encore une fois une bonne game, hein, killer avec Bouzeux et Rayos. Ça leur permet d'être deuxième assez agréablement placé parce qu'ils sont qu'à 2 points de la première place et ils sont plutôt bien dans le tournoi. Inoxtag, Michou et Nate qui peuvent vraiment, s'ils continuent comme ça, aller chercher aussi la victoire. Tout comme Skite, Dejna et justement le studio Daniel qui avait réussi le top 1. Un petit peu plus de difficulté sur cette game-là, mais en soi, voilà, le positionnement de Skite fait qu'ils arrivent toujours à avoir un bon placement. Peu de kills forcément parce qu'ils jouent avec leur force, mais honnêtement, Skite est en train de mener son équipe comme il faut, rien à redire. Keoli juste en dessous qui avait été un petit peu le massacreur, hein, de ce début de Cariton VIP et sur la 5ème position, donc la dernière position qui permet d'avoir du cash price. Mais attention, regardez qui est en train de revenir. Et oui, c'est les Vitality avec Airwax, Gotaga et Mikalo, suivi justement d'un copain, les Man, avec Akicho, Yuna, Robabs. En dessous, vous avez les Grizzly. Et justement, je vous laisse observer le classement jusqu'en bas. Mais là, maintenant, vous l'avez compris, on va plutôt se concentrer sur les 10 premiers, justement, même les 11 premiers, parce qu'il y a une égalité, justement, entre la 9e et la 11e place pour la suite de l'aventure. Parce que maintenant, on va essayer de se diriger vers les futurs gagnants, puisqu'il reste que 2 games, mesdames et messieurs. C'est fou. Franchement, je suis très, très content de comment se déroule cette édition pour le moment. Je vous laisse observer, justement, le classement pour que vous trouviez vos trios préférés. Si vous recherchez les Tixi, il est 12e. Etc, etc. Mais voilà, des belles réactions sur les réseaux sociaux, des belles réactions sur le chat. On est ensemble, on se soutient très très fort. On est reparti directement, hein, sur une équipe qui a démarré les hostilités très très tôt avec un Akicho qui est tombé très vite, avec un Jibs justement qu'on voit, hein, dans la barre des feeds qui se fight face à l'équipe de Tixi. Heureusement, il y a Skyhard derrière, hein, qui vient tomber Amaru, mais là, sous vos yeux, vous avez justement Yuna qui essaye de se défendre avec son joueur pro Robabs face à des gens mal intentionnés, hein, ici à Misty Midown. Ça repart directement, hein, sur les chapeaux de roue. Il fallait être prêt, je vous l'avais dit. Un mec qui est descendu. Ça va être le moment clutch, ça va être le moment clutch. Robabs qui, je vous le rappelle, hein, ils ont des armes, ils ont pas rien pour construire. Donc là, du coup, il peut que fight, hein, Robabs. Il peut que fight, Robabs. Il peut que fight, Robabs. Mets des balles, il met des balles. Mais ça ne suffit pas pour les tomber. Donne le client. Donne le client. C'est compliqué pour le joueur pro de devoir compter sur ses VIP pour les constructions. Ils ne peuvent plus au sens des vents. Surtout que, rappelez-vous, hein, ils jouent énormément à Fortnite. Donc ils ont ces automatismes de savoir qu'ils peuvent agresser en pouvant se défendre avec les constructions. C'est très bizarre comme ça, après 1 milliard de games joués de cette manière-là, de plus pouvoir construire. Et du coup, bah, tes comportements, eux, ne changent pas et t'as plus cette astuce de pouvoir te protéger. Donc il a fait quand même ce qu'il fallait en essayant de se protéger avec les murs naturels, mais très compliqué pour le joueur pro, je vous l'ai dit. Là, c'est le moment où c'est au VIP maintenant de briller, forcément. On est sur une nouvelle équipe, celle de Blax, justement, qui a 3 kills sans construire. Non, on voit que Gotaga Airwax, hein, qui était bien remonté sur la game 2, démarre parfaitement leur game 3. 2 kills pour le French Monster. La station de météo, je pense. Et là, Black Overtake. C'est 0 mine de pompe, le ref. Qui vont essayer quand même de sauver Nem. Passe des balles normales, s'il te plaît, en échange. Balle d'air. Parce qu'ils ont pu ramasser la plaque. Ouais, mais j'en ai 0. Mec, vous avez un moment pour me. Oui, ils ont ramassé la plaque, vous en avez un. Ça qui est cool d'avoir le vocal. Elle sera dédiée pour toi. Parce qu'en plus, je lui ai mis un gros 110 dans la tête, mais juste que j'avais que ça, tu vois. Et le temps que ça recharge, bah je suis. C'est l'explication de Nems, hein, que vous aviez sous les yeux, justement, et dans vos oreilles. Tiens, une équipe qui nous a fait vibrer, hein, dès l'ouverture de Cariton VIP et qu'on attend. Studio Daniel. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas échangé là, Arthur, Daniel? Montez sur la maison. On écoute. Attends. Dejna. J'arrive pas à construire. Daniel. Et justement, Skype. J'ai un gros shield, tu le veux ou pas? Non, c'est Arthur, hein, qu'on entend bien sûr, avec Daniel à ses côtés, encouragé. Mais non, j'arrive à rien, Sky, tu t'es. Pourtant, c'est Dejna qu'on voit bégayer sur les consoles. Et Sky, il est dépendant. Parce qu'il me faut l'information de où ils sont. Oui, c'est-à-dire, il est obligé d'expliquer. C'est important de savoir où ils sont. Exactement, c'est bien, Sky. Encore une fois, un joueur pro exemplaire. Et ça va la stresser, Dejna. Ça va la stresser, Dejna, il va comprendre. Gros shield ici pour toi, si tu veux. Faut souffler. Moi, je suis bien, moi. Ouais, pour eux. Ouais, j'arrive. Faut que Sky rassure un peu Dejna, parce que je pense que Dejna est quand même plus à l'aise au niveau des constructions que Arthur du studio Daniel. Donc, du coup, il va falloir compter sur Dejna pour les produits. Quoique, Arthur, ça va quand même. Non, il nous a fait des belles choses là sous les yeux. Il faut se parler, il faut s'organiser. Là, le joueur pro, vous le dites, c'est très tendu pour lui parce qu'il dépend de ses VIP et en même temps, il doit pas être trop dur avec eux. Et du coup, c'est une situation très délicate, hein, sincèrement. Quand t'as l'habitude d'être fluide, d'être rapide et que tu dépends de quelqu'un qui est très lent, tu vois le temps passer beaucoup plus lentement que les autres quand t'es joueur pro. Et c'est parfois très frustrant, donc vous gardez son calme. Ah, on se suit là.
Et vous avez en fait, le problème, c'est si on prend la faille, on est des... c'est du tir au pigeon, quoi. On va voir ce conseil justement, parce que maintenant il y a des failles hein, qui ont apparu à côté des nouveaux lieux, ce qui permet des repositionnements gratuits. Et justement, on va voir Yoshi la rentrée au niveau de ses coéquipiers, X-Wiz et le petit frère de Maguel Junior, qu'on appelle. Alors que là, il y a un petit fight, ouais. Je crois qu'il y a un petit fight, on va passer en priorité, tiens, sur le combat. Alors qu'on voit Yoshi en train de se repositionner, c'est The Vic, Parod, le YouTuber et Luckylus, son binôme, qui sont face à KZR, les Grizzly, qui ont quand même de quoi faire du mal avec Sami Lumine. J'ai un poisson si tu veux pour ta faute. Ce Vic ne peut pas construire, hein. C'est le malus de la game 3, très dérangeant. Donc il doit vraiment rester avec ses VIP, c'est ce qu'il fait. Sami Lumine qui a pris quand même quelques dégâts, donc ça a calmé un petit peu la situation. J'ai essayé de les faire tomber un peu. Alors que là, il y a un viewer qui dit sur le chat vos pronostics pour le hashtag Aller en VIP. Moi perso, je vois la team Michou Crouton, Nate et Inoxac gagner. Bah, faites votre pronos sur le chat. Faites votre pronos sur le hashtag. Il m'a bougé quand je meurs. Et ça me saoule. La boubou. La boubou, la boogie, ça fait rigoler. Ouais, écoutez, c'était une troisième game sympa. Ouais, bah, c'est vrai, je crois. La boogie, Lucas, t'as mesdames et messieurs. La France, regarde. Très efficace. Efficace. Yes, on a pas fait top dernier, c'est bon. On peut les applaudir, ils ont l'air contents, on peut les applaudir alors. Non, c'est très dur. Je crois qu'on serait, C'est vraiment très dur pour le pro. Qui, du coup... bah c'est un petit peu relâché forcément sur les autres. Et la boogie très efficace, hein, on le voit de plus en plus. C'est très perturbant, surtout qu'avec les gros pompes qu'il y a à côté. Quand tu es en train de danser, c'est souvent... En plus, il y a trois personnes qui peuvent te sauter dessus. C'est radical, hein. Donc il faut bien les gérer, il faut les ramasser très fort, hein, surtout dans Carryton VIP. Vu qu'il y a quand même des erreurs de positionnement, des erreurs de réflexe de construction pour la contrer. Très efficace, on la voit en tout cas très régulièrement. Trois équipes. Tiens, à l'écran pour vous, vous avez l'équipe de Skyheart en bas avec No Ward Egypt, KZR qu'on a vu à l'instant en plein fight l'emporter, et celle de Le Bouzeux avec Bad Sniper et Rios qui sont en train de briller pour le moment. T'inquiète, on prend la vision, on revient. Juste à reparler des alentours. On va juste continuer à avancer. On voit Jean-Pierre qui vient de faire un kill sur Crew, deux VIP qui s'affrontent en Dilex. Ouais, mais attends, vous avez tout cassé en bas, fais attention. Mushway qui était terminé par Dobby, joueur Crouton. Hein. Les Croutons très en forme, on les a vus dans le classement très haut. Hein. Les Croutons. Et on vient de voir un Flamby là se faire allumer par Skyheart, Jibs et Noward. Il devait fuir, hein, étant le seul survivant de sa trio. Il a essayé de partir. Yoshi qu'on retrouve X-Wiz et Maguel Junior. Oh ouais. Et qu'on a vu se faire exploser. Alors que Maguel Junior n'était pas là. Très dynamique, hein, l'équipe de KZR. Ils sont revenus de la pause en très grande forme, là on le voit. Alors que nous dit sur le hashtag Blacky en train de laver le serveur sans construction. C'est vrai, alors après les joueurs pro en face n'ont pas de construction non plus, ce qui facilite parfois aussi la situation. Mais effectivement c'est très impressionnant, alors que je vous rappelle les VIP eux peuvent construire. De voir comme ça un joueur pro à l'aise, même quand on lui enlève l'outil principal de ce jeu. Là on voit justement Snazy dépendre de Théo. Alors après Théo il est quand même très à l'aise, hein. C'est le frère de Antoine Griezmann. On le voit lui très aide avec le construction, donc c'est cool quand t'as un joueur comme ça qui peut te permettre de faire tes rotations faciles. Par contre, les fights derrière pour pouvoir les assumer aussi. Il m'a viré. Snazzy qui a été le premier long, hein. J'ai à parler positivement sur 4 ZR. Moi. J'ai pas dans la zone. On arrive. Snazzy, viens. Il est là. Ah, vous avez vu. Boxez-nous. Ah oui, par contre, l'over overbuild, hein. Tu demandes une box, t'en fais 4. Je peux pas edit. Extort. Vas-y, extort. Ils sont en train de lui faire du sale, là. Laissez 4 ZR tranquille. Oh, c'est un Grizzly, hein, lui aussi, hein. Un peu de respect quand même. J'ai 4 répus. Vas-y, prends-les les répus. Vas-y, prends-les. Ils respectent leur coéquipier. Ouais, j'ai une grosse. J'ai des splashes. Les gars sont en face de nous, hein. Attends, viens, Théo. C'est. Je crois. C'est la merde. Aubameyang, ouais. On va être entre deux là, c'est pas le feu. Aubameyang ici. Une push. Ouais. Qui doit faire face justement. Tiens, plusieurs équipes, hein, vous avez vu dans le petit espace qui sont proches de la zone, hein, qui est en train justement d'arriver dans une mute, elle devrait se rétrécir. Et vous avez vu une équipe qui est en train de les rusher, c'est les violets ici présents avec Theolis, hein, le même gameplay. Vous avez vu la boucle qui a été contrée, Lyzen qui a préféré fuir et abandonner ses VIP. Lyzen qui a abandonné ses VIP, il a abandonné Aubameyang. Mais qu'est-ce qu'il fait, Lyzen? Mais oui, par contre, c'est le pire bail, mais faut rester avec ses VIP. Et pourtant, Théolis, c'est fait allumer. Finis-le. C'est deux jetages, je crois. Finis-le, gros. Parato. Faut que je le finisse. Ils ont tombé le pro. Il faut donner les infos. Allez, avec le 80. Oh. Attends, va tomber. Est-ce qu'on peut battre sur Aubameyang? Sur moi. J'ai pris une Aubameyang en défense. Lyzen qui s'est fait allumer ailleurs. Voilà le monde, les gars.
Ils peuvent prendre des drones. Et ouais, le pro, il est sur mon chat. Aubameyang qui défend. Aubameyang qui défend. La frappe d'Aubameyang. Je pourrais dire ça. Excusez-moi, c'était un petit plaisir perso. Aubameyang, 20 HP. Non, putain, ils m'ont laser de loin. Fait chier. Habile quand même hein, dans les constructions, habile le bonhomme, hein, on le voit quand même, il a des très bonnes bases. Ça casse. Et il reste Atto, Atto qui a quand même, bon, putain, certes il a tombé un pro sans construction, mais il a montré qu'il avait quand même quelque chose. Cache-toi ou barre-toi gros, et pourquoi je comprends pas, c'est pourquoi ils se fightent pas les deux. Bah il est en train putain, de... Putain j'ai fait le con par contre, il était en train de réa comme un con. Et il s'est fait trouver Atto, il s'est fait trouver Atto, il s'est fait... Il se défend vraiment bien, il a pas de construction, lui il a le droit de construire mais il en a pas. Et malheureusement il est tombé face à une équipe No Wars qui a Yard Gives, qui est venu ramasser les miettes, hein. Ils sont déjà 7 kills, cette équipe là qu'on va écouter. Ils sont très en forme hein, dans cette game numéro 3. Forcément les VIP reprennent la main et on a deux VIP très costauds hein, du nom de Yard Gives. Donc forcément ça facilite le travail pour No Wars. Surtout qu'un Skyhard t'a construit bien, hein. Normalement c'est sa spécialité. Je vais balancer des crash pads. Venez sur moi, restez groupés. Ils ont moins de problèmes que les autres, c'est clair. Et donc c'est leur game, ils pourraient attraper les points qu'ils ont pas amassés en début de tournoi. Ça va répu, c'est ça hein. Non ça va pad, un peu raté. Parce que Skyhard, voilà, Skyhard, il attendait pas du tout à tomber comme ça. Et du coup Gilles maintenant est coincé dans la mêlée. Ils sont trois. Ils se sont fait exploser. C'était un piège. Bien mené par Jean-Fils Géolis et Ludo, patient. Bien joué. Sur leurs appuis. On est les boss, on est les boss. La stratégie. La planche. Hugo, je t'aime. Hugo, je t'aime. Passe, prends les déclarations d'amour. Au pire, je les perds. Vas-y, on avance, J'ai pris 6 rebondisseurs. Je vous rappelle hein, qu'avant cette game numéro 3, il y avait sur la première place l'équipe de KZX, Emric et Aiko. Deuxième position, c'était Bad Sniper, Boozy et Rayos. Troisième position, Nate, Inoxag et Michou, que vous avez ici sous les yeux. Troisième pour le moment et peut-être même aller chercher cette première place à la fin de cette game numéro 3. Ils en sont clairement capables. Oh là-bas, là, à droite. Et ouais, oui, il a repéré Juliette, Inoxtag qui a l'œil. Là c'est risqué de ouf hein. Juliette a été repérée. Go tout droit, faudrait arriver là, ce serait parfait les gars. Sur le pin rouge. On voit Daniel, Sky et Dejna là justement. Posé. Si on arrive à monter là et qu'on fait un truc, continue à nager les gars. Never say yes, côté gauche, avec son équipe. Ils y vont. Il y a des gens là-dedans ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc au gagne et qu'on se rend compte que le pro a triché. Bah on a des points de malus, ne vous inquiétez pas, les admins sont sur le coup. Vous inquiétez pas, mais le fair play est de mise ici ce soir. Et je suis très content d'avoir autant de gens cool qui viennent répondre présent et se prêtent au jeu. Donc ça fait plaisir, mais il y a des malus prévus, des cartons jaunes, des cartons rouges, des bannissements à vie, des cafouillages aussi. Oui, si c'est beaucoup répété, on peut arriver chez la personne à domicile avec une équipe et faire du sale. T'imagines la réponse? Ouais, faire vraiment du sale. Alors là, venez les gars, on va prendre les matelas. Allez, bon, là on a une équipe quand même bien en place. Karim, Mika, Gotha, ça y est, c'est le moment. Surtout qu'ils ont eu la bonne idée de vite répondre après leur game une ratée. Pour moi j'ai dit à Sky, si tu fais un top 15 c'est déjà fou. Et là franchement il se bat hein. Il se bat comme un dieu. Ils sont actuellement 4ème, c'est impressionnant vraiment. Et ça montre à quel point le joueur pro Sky t'a compris le format. Et peu importe ses coéquipiers, parce que voilà, imaginons tu le mets avec Gotha et Mikalo, qu'est-ce qu'il serait capable de faire. Donc il est pas venu autant armé que les autres. Et pourtant sincèrement il a rien à se reprocher. Et même s'il fait un top 10, honnêtement on finira par le féliciter parce qu'ils nous ont fait rêver pour le moment. Mais ils sont encore debout, ils sont encore dans la game. Il leur apprend les rotations, il leur apprend la défense. Ils jouent safe certes. Vous avez vu un 0 kill, mais on est en place, on est bien positionné. Et on récupère à chaque fois les points de placement. Et ça, c'est pas évident face à deux joueurs qui, vous avez vu, ont des petites difficultés pour construire, des petites difficultés aussi à gérer la pression, le stress à haut niveau. Et donc non, clairement mention spéciale encore une fois à Skyte, ça faut le signaler. Étage de plus. Bah justement, on va écouter les conseils de Skyte. Vas-y, attends, j'arrive. Genre là tu fais un étage de plus mais vous mettez rien au-dessus de vous. Vous avez vu hein. Genre juste ouais, je fais juste ça aussi. Et pareil. Là Arthur, il va repartir avec des vraies astuces, il va faire que les tops pendant ses games. En pierre aussi. Ouais, en pierre, ouais, fais un étage. Vas-y, et là on monte. Venez là, venez ici là tous. Enfin venez. Venez, collez-vous. Hop, on saute et on re-saute une deuxième fois. Hop, c'est bon. Oh, c'est tac, trop bizarre, c'est trop mignon. Tu veux un toit ou pas? C'est trop mimes. Quoi? Bah, on laisse ouvert comme ça en haut? Ouais. Mais surtout, vous montrez, enfin, genre, montrez pas votre tête quoi, et restez toujours caché. Et faites attention de derrière, par exemple, hein. Si je prends un exemple, si vous regardez là, faites attention que la tour là-bas vous voit pas. C'est pas grave. C'est une rush, hein. Non, t'inquiète. Ils vont juste se mettre en dessous. Okay. Ouais, mais vous avez vu, faut gérer justement aussi les overreactions des autres.
Tu revois le. Parce que c'est très naturel pour Skite, hein, avec sa position, il sait très bien qu'il peut pas se faire attaquer comme si de rien n'était, etc., etc. Et ça paraît basique ce qu'il dit, hein, vraiment, pour vous qui jouez très régulièrement à Fortnite, ça vous le savez déjà. Hein. Mais c'est le but d'amener justement cette difficulté supplémentaire pour les joueurs pros et de leur faire ce travail-là. Tout ce qui est automatique pour eux, arriver à l'expliquer. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien donner comme exercice aux joueurs pros, parce que quand tu expliques quelque chose, tu l'apprends encore plus. Et faites-le pour vos devoirs, hein, ça marche pour tout. Si vous arrivez à expliquer la leçon que vous avez appris à quelqu'un d'autre, c'est que vous l'avez encore mieux compris. Et donc c'est bien, ça leur fait même eux réviser les bases de Fortnite. Et là encore une fois, Skype très très judicieux sur, sur les conseils. Mais forcément, hein, Dejna qui essaie de suivre, hein, on peut pas lui en vouloir, on peut pas lui demander d'en faire autant que Gotaga. Hein, on n'a pas la même expérience de jeu à haut niveau. Gotaga il stresse pas, hein, regardez, on va l'écouter, hein, avec Airwax et Emika, ça stresse pas, c'est cohérent, ils ont trouvé une cible, c'est fait, on passe bien, à la c'est suite. Une box, hein, tout après. Voilà, même si Airwax donne quand même quelques petites astuces par rapport à la méta. Il y a full. Je rappelle que Gotaga et Emika ne jouent plus depuis quand même un bon moment à Fortnite. On est là-bas après. Hein. Mais il n'ont pas autant besoin de conseils que les autres, c'est clair. Il y a des pads là. Il passe aussi le travail de Gotaga, faut le mettre en avant ça aussi. Ah, recule, Gotaga. Les boules qui esquivaient. Ouais, Airwax. Il y a full build là sur moi. Prenez. Il explique aux troupes comment ça doit se passer. Reculez, c'est ferme. Prenez sur moi. Mais moi je suis full. Ah non, il manque juste Pierre. Prends quand même du build pour nous droit plus tard. Go, avance là-bas. Il y a des grenades. Il y a des répulses encore. Attends, vrai. J'ai lâché les kits, hein. J'ai gros spot et petit pot. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Faut build, putain. Tu vas profiter de ce petit plan large justement. Vous voyez un peu les trucs. Faites une box juste devant là. Donc vous avez eu l'équipe de Skite avec Dejna au côté de Michou Inoxtag. Il y a Neversayet juste derrière. Dans la ville, directement. Positionné, on a l'équipe de Pixia avec des Shiptos, Andilex dans les parages, l'équipe de Théo, hein, les Grizzly aussi, hein, très très collé avec celle de Dobby, Mika, Airwax, Gotaga, que vous voyez, hein, maintenant mieux positionné. On a tenté, alors c'était la pire répulsive, ils ont atterri de trois côtés différents et on est en train de se faire exploser, hein, pour Naruto V au GK. Il faut arriver à se regrouper, les trois sont partis chacun dans un côté, c'était le pire scénario possible. Et maintenant JP, je sais pas comment ils vont faire pour le retrouver, mais je pense qu'on le reverra plus, hein. On reverra plus JP, hein. Hashtag prière pour JP. Oui, mais s'il est revenu. Excusez-moi, il a pu revenir même plutôt facilement, JP, attention. C'est vrai qu'il a joué, hein, JP à Fortnite ces derniers temps. On casse encore. On va les écouter. Vas-y, tu mets un sol, vite. Plus de peur que de mal. Mettez un cone. Vas-y, tu vas voilà, moi je fais là, voilà. Ici. Du coup, voilà, vous rappelez. Maintenant, tu fermes derrière. On est sur la game 3. Que personne ne vienne. Le malus, voilà, c'est parfait. Pas construction pour le joueur pro. Donc, moi, je vais regarder toujours comme ça. Demander les construits aux autres. T'as une équipe un petit peu dans la difficulté, même s'ils ont validé énormément de kills. C'est celle de Keolis. Très peu d'HP sur les joueurs. Juste si personne tombe. Et je rappelle que Keolis, lui, ne peut pas construire. Donc, il compte sur les VIP pour extend. Qui est pas évident et ça fait prendre plus de risques à la trio. Parfait, bien, les gars, bien joué. Et il faut donner ses la zone à l'opposé. T'as encore tes mains là, Jean-Pierre. C'est 5 maintenant, t'en veux. Hop. Une bonne réaction de joueur pro. Ouais. Leur dire bravo, leur dire bien joué. J'ai éliminé. Et s'encourager, c'est important pour eux. Prennent confiance en eux. C'est vrai qu'Eolis, il l'a bien compris. Je vais jeter deux matelas et on va les prendre, ok. Vous êtes prêts? Compliqué le repositionnement là. Compliqué le repositionnement. Faut donner des mini-potes là, Kéo. Une pique. Faut donner des mini-potes, mais du coup, c'est normal, il faut concentrer sur la zone, petit malentendu. J'ai mis un matelas, j'en remets un là devant moi et on avance, les gars, on avance. Allez, faut essayer de suivre comme on peut. Faut pas les stresser, même si c'est pas parfait, faut pas les stresser, faut pas leur dire. Faut juste se concentrer sur l'instant présent. Venez. Déversé, qui a été repoussé par un chien. Il prend ses responsabilités sur un JP qui était pas du tout attendu. Allez, on build, on avance. Je rappelle que le pro a le droit d'edit, hein, et donc les constructions sont positionnées là par le VIP devant lui, Ludo. Descends, Ludo. Mort. Ouais, j'en fais descends, trop descends, derrière, hein, on peut pas aller le chercher. Il s'est fait coincer. Gotaga qui vient de tomber face à Desiptos. Desiptos lui aussi, hein, qui était un joueur attendu ce soir avec une belle trio. Et il va être le dernier survivant sans avoir le droit de construire. On va voir ça avec lui, on va vivre ça un peu avec lui. Vous allez voir que c'est pas facile. Je peux rien faire du tout. C'est pour ça qu'on dépend du VIP. C'est pour ça qu'on joue pour le VIP. Et ça, c'est une super idée d'avoir récupéré le pouvoir justement de Groot. Par contre, faut savoir le maîtriser. Et bah justement, c'est récupéré par Keolis, qui n'a pas le droit de construire, mais qui a le droit d'utiliser le pouvoir. Et oui, il faut être malin dans ce genre de moment. Et ça, Keolis, ça va le mettre un peu plus à l'aise, là où le pro, vu qu'il n'a pas le construire, il est en stress permanent. On est sur une fin de zone totale, hein. Il reste 6 trios, dont 9 joueurs. Donc il y a beaucoup de solos. Oh, ça vient attaquer à la pioche, carrément, sur Keolis. Mikalo qui reste debout, avec Bat Sniper aussi. Attention à ces deux joueurs qui, je vous rappelle, Bat Sniper est actuellement 2ème. Mikalo est actuellement 6ème, avec son équipe, mais ils sont 3 ici. Et je crois que Gotaga était tombé, donc il est tout seul, Mikalo, à faire parler un petit peu les restes, hein, qu'il a de Fortnite dans la zone. Malheureusement, ça va tomber. Et c'est le top 1 pour l'équipe de Lebouzeux. Avec Bat Sniper, avec Rayos. Ah, gros, ma gueule.
J'avais 70 de ping, frère. Ah, c'était bien joué, les gars. Vraiment j'ai bien joué. J'ai claqué toute la game. Rayon, vous êtes trop fort. Rayon, il avait 100 de ping. Le mec, bon, j'étais là. J'ai la pire code d'Europe. Je peux rien faire. Après, avec le nombre de fois que tu nous as dit, je pense qu'on a compris. T'inquiète. C'est bien, moi j'étais collé à bougie. Ça relâche. En vrai, là, c'était bien. Vous, vous buildez. Moi, je prenais les kills et puis voilà. C'est exactement ça, il a compris. C'était le malus de la game. J'ai servi à rien, mes stats sont toutes zéro. Ah, mais moi, j'ai mis que des hits, j'ai tué personne. J'ai mis que des 35, 40, 35, 20, 10, 12, 1, 45. C'était la bonne représentation. Genre, le pro un peu fort. Et là, le mec le pro moyen. C'est mon premier top 1. Par contre, les gars, on n'est peut-être pas premier parce que Inox, Knight et tout, ils étaient là jusqu'à la fin et ils ont dû faire pas mal de kills, je crois. Oh, la passe décisive de le bouseux. Est-ce qu'ils sont premiers au classement ou non? On est en train de calculer les points, on est en train de mettre en place la dernière game, mesdames et messieurs. La dernière game qui, je vous rappelle, va être très compliquée pour le joueur pro. Très compliquée. Il n'aura plus le droit d'utiliser d'armes. Donc, il va falloir... Bon, il a le droit de construire, on lui rend ça forcément. Mais il n'a plus le droit aux armes. Donc, attention, va falloir être très solide là-dessus pour bien l'accompagner. Il pourra techniquement plus faire de kills si ce n'est à la pioche. Donc vous allez voir de temps en temps des combats de pioche entre deux pros qui vont se croiser. Hein. Forcément, ils ont quand même les réflexes. On va faire attention à ça. Et il va falloir être extrêmement solide là-dessus. Mais oui, oui, oui. Ça va être très, très compliqué. On a une belle équipe. Hein. Bad Sniper, Le Bouzy et Rayos. C'est du très, très solide sur le papier. Et pour l'instant, bah, ils avaient répondu présent avec cette deuxième place. Est-ce qu'ils ont fait assez de points pour repasser premier? Si c'est le cas, à combien de points d'avance? Est-ce que le suspense est là? Je vous l'avais dit. Hein. Ce soir, on a 5-6 trios très costauds qui peuvent, eux, jouer normalement le top 1, le top du classement. Le reste, ils sont là aussi pour un peu découvrir, prendre du bon temps et peut-être faire l'exploit, bien sûr. Il y a des outsiders, il y a des joueurs très attendus. Donc, on va voir. Je pense, techniquement, si mes calculs sont bons, on devrait avoir un classement assez équilibré pour cette dernière game. On y va, on va voir ça de suite. Et voilà, effectivement, il y a 2 points d'écart entre la première et la deuxième et troisième place. 3 équipes, même 4 équipes. On peut mettre celle de Nate dedans. Il y a 4 équipes qui peuvent jouer la victoire, même si effectivement les autres aussi peuvent le faire. On n'est pas à l'abri qu'il fasse une game à 10, 15, 20 kills. Attention, il y a 4 équipes très costauds à suivre. Celle justement qu'on avait à l'écran avec le Bouzeux, 45 points. Celle des Vitality avec 43 points. Celle bien sûr de Keolis, hein, qui pour l'instant fait un massacre. 30 kills confirmés, hein, pour cette équipe-là. 43 points eux aussi. Nate, on en parlait avec Michou et Noxta qui font un très bon mix entre les kills et les positionnements qui leur permettent d'être à 40 points. Ce sont ces 4 équipes-là qu'on va suivre en majorité, mesdames et messieurs. Qui, selon vous, sur le chat et même sur le hashtag, qui, selon vous, va l'emporter? C'est ce qu'on vous dit. On libère le chat, là, on libère le chat. On veut des réponses, on veut savoir ce que vous en pensez. Si vous devez miser sur une des 4 équipes, vous misez sur qui, le chat? Dites-le nous de suite. Après, vous pouvez miser avec le cœur et vous pouvez miser aussi avec l'esprit. Hein. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez dire, ah, mon cœur va pour l'équipe, je sais pas, d'Inoxtag et Michou. Par contre, c'est vrai que sur le papier, je trouve que l'équipe de Le Bouzeux est un peu trop forte. Donc, Gotaga, j'espère qu'ils prennent du plaisir. Hein. Gota, Mika, parce que ça faisait longtemps que vous n'avez pas lancé Fortnite. Je leur avais parlé un peu de la nouvelle saison en leur disant que vous allez peut-être kiffer. Et là, je pense qu'ils sont en bonne place pour aller peut-être faire la victoire. 2 pros. Il y a quoi? Il y a 2 pros chez Le Bouzeux, il y a 3 pros chez Vitality. C'est normal. Tout est normal. Gota pour le cœur et Inox, je crois, pour le cerveau, c'est ce que tu nous as dit. Oui, c'est ce que nous a dit Jules Matosso en claquant 1000 pieds pièces. C'est moi où il a comparé Jean-Fils et Rayos. on sait pas. En tout cas, si on regarde, je les compare pas, mais il y a que 2 points d'écart. Donc maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Il y a que 2 points d'écart. Ludo, trop fort. Ludo a été très solide. Hein. Sur les peu de fois où on est passé sur eux, effectivement, Ludo a répondu quand même très très présent. Mais c'est pas le seul. On a beaucoup de joueurs comme ça en tête qui vont nous venir et chacun a eu son moment pour le moment. Et ce qui est bien, c'est que c'est très serré pour la dernière game. Et ça, je suis satisfait. Tu vois, j'avais eu peur d'avoir, comme la. Rappelez-vous, l'édition 2, je crois que c'est l'édition avec Never Say Yes. Où il y avait une équipe très haut toute seule et tous les autres à 10-15 points d'écart. J'avais très peur de ça et finalement là je suis très content. Les équipes attendues, en tout cas certaines équipes très attendues sont dans le haut du classement, certes. Il en manque, hein, tu vois. Par exemple, je cherche là Skyheart, Gibbs, etc. que je voyais quand même plus haut selon moi. Et pourtant, bah, le but c'est que aussi tout le monde passe un bon moment. Je pense par exemple à Sky Dejna et Studio Daniel qui nous ont fait vibrer, ils nous ont fait rêver. Pourquoi pas espérer un miracle sur la game 4, même si selon moi c'est la game où il va avoir le plus de mal forcément parce que Sky va être impactant possible. Donc il va falloir que Dejna ou Arthur ou Studio Daniel parviennent à enchaîner les kills, mais ça pourquoi pas, on verra. Mais effectivement là il y a 4 équipes qui vont se batailler pour cette victoire. Il n'y aura qu'un vainqueur, le cash prize certes
répartis, mais vous le savez, ici, on se rappelle que des vainqueurs. Le concept de Carrington VIP est au top. Merci, mon frérot. Merci énormément, Sextis, pour ton message. Invitez aussi Jean. Mais il y en a plein. Hein. Il y en a plein qu'on nous a conseillé d'inviter. Nous, on invite un maximum de gens. Vous vous doutez bien qu'il y en a qui sont peut-être pas dispo, etc. Il y en a qui ont des calendriers difficiles. Il y en a qui veulent pas trop jouer à Fortnite aussi. Alors, il y a plein de raisons. Mais n'hésitez pas à leur dire à eux s'ils ont vraiment chaud de venir nous envoyer un message. On est très facilement contactable dans le game. On répond vite. Nous, on est au taquet. Donc voilà. Dites-leur. N'hésitez pas de se signaler s'ils veulent participer aux prochaines éditions. L'équipe de Le Bouzeux, en haut à gauche de votre écran, en haut à droite, vous avez l'équipe Vitality avec Gotaga, Mikalo, Airwax, et juste en bas, celle de Keolis avec Ludo et Jean-Fils. Trois équipes qui jouent la victoire ce soir, et c'est Tixi, le premier à tomber dans cette dernière game de l'édition 4 de Carrington VIP. Ça démarre bien. Yoshi qui prend le dessus sur Ahmed. Et on arrive sur un spawn agressif pour Gotaga. Très, très, très bon choix là. Au niveau de la POV, Gotaga, Mikalo, Airwax qui joue la victoire sur ce spawn. Il y a l'équipe de Royalist juste à côté. Il va falloir perdre aucun élément pour mettre toutes les chances de son côté. C'est un fight très important qui a lieu. Il y a Akicho pas loin aussi. On avait vu Jean-Fils dans les parages, je sais pas où est-ce qu'ils ont atterri finalement là. Voilà, on voit. Oh, Mikalo, les réflexes. Avec une tête tout de suite. Enfin, il peut le construire, mais il peut pas tirer. Ça joue la victoire là-dessus. Hein. Tu perds un élément, tu peux pas ramasser la plaque, ça te change ta game. C'est qui là qui fait le fou, hein? C'est Airwax. Heureusement, Royalist qui avait pris le dessus sur Gotaga, mais l'arrivée d'Airwax. J'ai pas de pompe, il m'a mis une sale balle de pompe. Eh oui. Tiens, j'ai un pompe. Tiens. Ah, t'as un pompe. Je rappelle que Karim peut pas utiliser les armes. On revient vers. Il peut pas tirer avec, donc pas évident pour lui. C'est pour ça qu'il vient aider Gotaga, il vient soutenir Gotaga. Il y a un lama. Oh, il y a un lama, ce qui parle là. En plus. Tiens, prends ça. Faut défendre Gotaga, il peut pas se battre, Karim. Il peut juste. Ah oui, il est en face de nous, le lama, putain, il est juste là. Karim qui va directement, hein, qui perd aucune seconde, de toute façon, il a rien d'autre à faire. Je rappelle qu'ils ne peuvent pas tirer, les joueurs pros n'ont pas le droit de tirer avec les armes. Et donc on a Gotaga, on a Mikalo qui eux par contre ont la possibilité de faire des damage sans souci. Vas-y, il reste Kezix. Vous avez des maths, c'est bon ? Il reste Kezix et malheureusement il peut pas tirer avec son arme. Et c'est le problème d'avoir perdu ses VIP très tôt. Par contre voilà la pioche ! Kezix, peut-être il a le droit à la pioche, ils ont le droit à la pioche. Rappelez-vous pour le malus numéro 4, c'est pioche sac à dos. Only ! Putain. Mais le rêve est trop fort. Le rêve est en marche. Dépêche, ranime. Le rêve est en marche. Ah, la pioche, j'ai tué. Il a fait 2 kills à la pioche. Oh. Kezix, c'est on fire ce soir. Je suis désolé, pour compter le nombre de kills qu'il a fait sur la soirée. Oh, c'est des fous, il vient d'un autre spawn. Et du coup, il va réanimer les copains. Mais Kezix. Je les ai en V3 à la pioche. Un V2 parce que KZR. Il a fait. À la pioche aussi. Des Cyptos, hein, à la pioche aussi, ça respecte les consignes, merci à tous les joueurs pros, c'est pas évident. Après, je me dis, parfois, vaut mieux mourir pour pouvoir conseiller vocalement. Non, c'est pour me charger, c'est trop chaud. Mais là, voilà, des Cyptos qui va essayer de jouer la survie, parce que là, se défendre face à deux VIP armés, même si ça reste des VIP, c'est compliqué. Mais Kezix, vous avez premier move incroyable de cette Game 4, signé par Kezix. Mikalo, Gotaga qui ont fait un massacre, justement, à leur spawn. On les a vus récupérer les kills, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour une équipe qui joue, je vous rappelle, la victoire ce soir. Et on n'a pas fini de rigoler, hein. Je vous rappelle que plus la game va avancer, plus ça va être drôle, parce que les joueurs pros en moving zone sans armes, c'est un délire, on voit des mecs courir de tous les côtés, essayer de survivre comme ils peuvent. Surtout qu'il y a beaucoup de moyens de survie par rapport au patch précédent, c'est ce que je suis en train de me dire, entre les boogies, entre les répulsives, entre les matelas, il y a quand même beaucoup de moyens de survie. Je vous rappelle qu'ils ont le droit de construire, donc il y a moyen que les pros arrivent à se glisser en late game, clairement. Allez, petit fight avec Juliette qui va devoir prendre ses responsabilités, parce que cette fois-ci, Clément, on peut pas tout faire. Je suis en dessous, je sais pas ce que je peux faire. Ryan qui ose pas monter, hein, elle est intimidée. Oh, le saut d'Arélian quand même, ça répond. Ah, C'est une balle. Oh, c'est une balle. Oh, c'est tellement triste pour Arélian. Moi, il a la pioche ici. Du coup, voilà, tu peux vite repérer qui est le pro. Enfin, faut arriver à lire le jeu. J'ai l'impression qu'ils sont 3. À l'époque, c'était en duo, donc t'avais un pro qui était à la pioche et un mec armé. Là, ils sont 3. Donc, faut arriver à bien comprendre qui est qui fait quoi. Les VIP qui pourraient faire semblant d'être à la pioche pour juste bait et ensuite sortir l'arme. Mais ça reste risqué aussi pour savoir à qui on a affaire. Il y a plusieurs stratégies possibles. Ah, ils sont... Venez, ils sont sur moi là. Venez, on leur rentre dedans. Attends, j'ai pas de. Oh, Clément qui survit, mais en fait, il essaie de garder la vision. Il les coince, Clément, hein. Gros travail but, hein, du joueur pro malgré le fait qu'il n'ait pas le droit de tirer. Ah bon, après, il s'en fout, hein. Qu'il danse ou qu'il ait la pioche dans les mains, c'est quasiment pareil. Ils sont dans le fort tout en bas. Venez, on leur rentre dedans. Même s'il peut pas construire, c'est vrai que ça reste embêtant. Mais vous avez vu que lui, malgré tout, malgré ses malus, prend les infos, qui accompagne ses VIP et qui essaie de faire ce qu'il peut avec les matelas. Juliette et Arégal qui sont en train d'arriver. Certes, ils ont tombé Clément, mais au moins, il a pris les infos jusqu'au bout. Et maintenant, c'est au pire. Il peut pas la pioche, il a pas le droit de prendre d'armes.
Faut pas faire de bêtises. Il va juste vous faire chier en vrai. Pas grave, il peut récupérer la plaque, y'a pas de problème. Il peut même, grâce à Clément, gagner ce fight. Deux kills validés, il reste une personne, il reste le pro à la pioche. Tranquille. Allez les filles. Allez Juliette, allez Aréliane. Sur Snazyki. Du coup, s'amuse de la situation. Allez, me reste en vrai. Ou tuez-le. Après, c'est un point, hein, c'est un point gratuit. C'est ça aussi, hein, même s'il est fait tourner. Il est blanc, il est blanc. Allez, ça va passer, Aréliane, peut-être. Il a une balle de pompe. Aréliane, face à un joueur pro. En bas, en bas, il on oubliera qu'il était à la pioche. Aréliane, face à un joueur pro, c'est ça qu'il faut retenir. Là, il est monté là. Par contre, il fait des esquives. Même moi, je le perds de vue, gros. Alors qu'on a le mode spec. Il a plus de construction. Elle est juste là, il a une balle. Il est une balle. Il va s'épuiser avant vous. Il va s'épuiser avant vous. J'en peux plus. Il est où? Il a une balle. Il va s'épuiser avant vous. Il a remonté, il est remonté. Voilà. Vas-y, putain, j'ai cru qu'on allait jamais la voir. Ça s'applaudit, ça, s'il vous plaît. Pour Juliette et ils vont pouvoir réanimer Clément. Juliette, bon. Mais tout le temps. Une minute quoi. Oui. T'as dit quoi? Belle survie de Snazy. Et ils vont pouvoir réanimer tranquillement Clément. Bon, après, voilà, il a l'utilité qu'il a avec le nerfing. Mais ça reste toujours intéressant de rester à 3. On passe sur une équipe importante. Mika! Mais non, pas toi! Un qui est descendu sur notre camp. Mika qui s'est fait piocher par le pro et en même temps, ça a été soutenu. Ahmed qui se fait isoler sur justement Airwax que vous voyez essayer de défendre avec les constructions. Gotaga qui devrait être tranquillement. Oh bah c'est même Airwax qui lui a mis le coup. Dans les deux autres, il y a le pro. Dans les deux autres, il y a le pro. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il y a un pioché et un armé. Tout pareil, même setup que chez Gotaga. Faudra y aller. Il y a le pro. Mais le problème, c'est qu'il faut aller récupérer Mika. T'as du shield? Ouais. C'est quoi ça? C'est des poissons qui donnent du shield. Voilà, pour rappel, Gotha découvre le patch. Il faudra prendre sa carte, hein, Elraz. Ouais, c'est super important s'ils veulent vraiment gagner ce soir. Parce que regardez le Bzeu, qui est une équipe très en forme. On attend, pas de points validés pour le moment. Pour le Bzeu. Faut suivre ça très très près, là, au classement tout ils peut basculer. Pro, ils veulent pas prendre le risque. Je te prends tes armes aussi. C'est bien, franchement, s'ils ont libéré la plaque et que ça permet justement de réanimer Mikalo sans prendre de risque. Finalement, faudrait juste qu'ils puissent se réarmer. Ouais, mais tout, se passe bien. Tout se passe bien pour les Vitality, ouais, pas de stress vrai, à avoir. C'est l'équipe que vous soutenez. Si on reste dans la zone, en vrai, elle fait que un dégât. Vas-y, on va... Ils vont s'occuper de le reste, on repassera sur eux plus tard. En attendant, on a 4ZR, justement, qui prend le véhicule. Et Rocky qui monte à l'arrière. La place pas évidente à gérer. Hein. Pompe en main, hein. Il est prêt, Rocky, au cas où ça tourne mal. Et là, on va justement juste rapprocher de la zone, se remettre en place. Versalty Spring. Je vous l'ai dit, et on n'a pas fini de vibrer, hein. Ce n'est que le début, hein. C'est juste les premières actions, et encore il y a de l'espace, donc la zone permet plein de choses. Rappelez-vous, ça va se réduire, et à ce moment-là, la communication, vous allez voir, ça va partir comme jamais. C'est toujours comme ça que ça se passe, très calme au début de la quatrième game, et après ça part en cacahuète. Attention, une équipe très importante à suivre avec Nate, Michou et Inoxa qui joue peut-être aussi la victoire, et même le top 5 là-dessus. Inoxa qui va être sûrement le premier à tomber du côté du bus. Je suis mort de la zone. On bouge, tiens, sur moi. 4 HP, 3 HP, 2 HP, il tente. Attends, le pad bleu pour rapprocher son cadavre. Il a sorti son cadavre de la zone, je crois. Il a aussi Michou fait l'exploit, ça ne passera pas. Je me cache derrière ça. Et Nate qui... Ils sont juste là, je peux pas, gros. Je crois ne pourra pas faire de miracle. Il peut essayer de jouer la survie. Ah ouais, c'est la team qu'il fallait pas tomber. Hein. Je crois qu'ils sont tombés face à Gotaga, hein, si je ne dis pas de bêtises. Non, KZR, excusez-moi, qui était eux à cette spring qu'on a vu juste avant. Et la Nate, faut fuir. Nate, fais-toi oublier, ouais. Tu pourras peut-être me rire. Il a pas la plaque, quoi. Peut-être revenir après. Ouais, non, je pense que c'est la... Je pense qu'il doit juste essayer de jouer la survie Nate, prendre les points de placement et ensuite croiser les doigts pour que ça passe top 5. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas le lâcher. Ils sont tous sur lui là? Ouais, ils vont pas le lâcher. Je vois vraiment pas comment il peut s'en sortir, le pauvre Nate là, malheureusement, même si les constructions sont parfaites, l'extend est clean. Le problème c'est qu'il y a KZR en face, hein. Du coup Nate contre KZR, vous savez, c'est deux forces qui s'annulent à chaque fois. C'est un duel qu'on aime voir, mais est-ce que cette fois-ci vous aviez prévu de le voir pioche contre pioche? Je suis pas sûr. Nate qui essaye, hein. Nate qui essaye, s'il arrive à se rapprocher de l'autorité, il pourrait un petit peu les mener en bourrique là-dedans. Il a beaucoup de boogies, donc il en joue. Comme ça. Ah, dommage pour Nate qui va se faire coincer dans cette box. Et 4ZR qui vient ramasser. Blanco, un HP, un HP. Ils l'ont eu. On peut quand même applaudir, s'il vous plaît, Michou, Inox, Tag et Nate qui auront fait une très belle prestation. On verra à la fin à quel classement ils terminent. Mais cette game 4, malheureusement, ils sont tombés face à l'équipe de 4ZR. Bien énervé à Salty Spring. Merci le chat, c'est beau de voir ça. Et là, oh bah voilà, en revanche. Ils se sont fait totalement instantanément vengés par Yoshi. Il scrim tous les jours, tu veux faire ça. Et ma gueule junior, vengé de suite. On va écouter Yoshi qui doit être, à mon avis, très content de l'action de son équipe là-dessus. Et regardez le stuff de X-Quiz. Regardez le stuff de X-Quiz qui va jouer une survie, mon pote. Là encore, non, il y a 8 fiches, 8 fiches. Il a 10 fiches de points de vie et 5 fiches de shield. C'est go, 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 il est pas encore récupéré. Oh là 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 là. Trop masse monde, vraiment. Oh là là là.
regarder le stuff de X-Wiz. Moi j'en ai 4, moi j'ai 4 fiches moi sur moi. Je vous l'ai dit, hein, vu qu'il y a le patch des poissons, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh là là là. T'as combien de poissons là? Mon dieu. Il arrive même plus à les compter. Bah, tant mieux. Attends. Il arrive même plus à les compter. il a pas su répondre. T'as combien de poissons? Je ne sais pas répondre à cette question. Il y a trop. Il y a beaucoup trop. Waouh. Bon, s'il meurt avec ça, par contre, la personne qui ramassera son stuff sera tellement heureux en late game. Oh, regardez le stuff de X-Wiz. Mais prenez des screenshots là. 4 et 4, ça fait 8. 8 et 8, ça fait 16. Et on rajoute 2, il y a 18 poissons pour X-Wiz. 18 poissons! Il y a un mec qui vole là, si, y'a un mec qui vole. Mais comment ils vont faire pour le tomber? Tu lui donnes full construit, full poids sky! Et en plus, y'a les splashs des copains, Yoshi qui a 3 splashs! Les poissons qui pourront même lui être donnés à un moment, si jamais! Ah ouais, t'es bien toi! Ils sont là, tu le vois, à côté du véhicule, viens, doucement, tranquille! Fais pas voir, on essaie de se rapprocher, on les laser. Ah, ils prennent la voiture! Vas-y, viens avec moi! Il en a 20? Mais non! Non, bah ouais, tout le monde! Il a 18, il a 20 poissons! Il en a 20, il en a récupéré 2 de plus, vous êtes sûr de vous? On ira voir pour excuser. Pourtant, ça va fight. Oh, Yoshi qui a perdu un peu. Ouais, mécanique, Yoshi. Ça travaille plus trop là, on le sent. Mais c'est normal, il est VIP, hein. Donc il. Là, y'en a un ici. Non, y'a. Ah oui, putain, le crack, crack, le crack, vous pouvez pas build. Ouais, il y en a deux, ok, il m'avait fait peur. Non, il a bien 18. Il a bien 18. Vous m'avez fait peur. Mais là, s'il en trouve deux de plus, effectivement, il peut passer à 20 poissons, hein. C'est énorme. 18 ou 20, qu'est-ce qu'on fout? Ah bah quand même, je pense que lui, il s'en fout pas. S'il pouvait en avoir deux de plus, il les prendrait. Allez, Yoshi, par contre, le shoot qui reste présent, ça a lavé le Never Say Yes en plus de ça, donc un adversaire important. Ça reste le joueur pro, même s'il est à la pioche. Après, c'est pas mal ce qu'il fait Never Say Yes, il attire l'attention parce que c'est le joueur le moins impactant pour laisser peut-être les deux autres s'exprimer. Il est long, celui-là qui est là, le temps. Ouais, mais c'est peut-être pas celui qu'il faut focus en priorité, du coup, c'est très malin, je sais pas s'il a fait exprès. Faut rester quand même concentré. Du coup, il consomme, hein. Yoshi là, ça économise rien. Crack dans ma box. J'y vais, t'es solo. Et là, vous voyez justement My Gold Junior avec les mécaniques, là, c'est beaucoup plus fluide. Il y a un HP. 26 blanc. Une balle, du coup, nous on le voit d'ici. Il va en My Gold Junior, le petit frère de My Gold, justement, joueur Solari. Ah, y'a un mec derrière moi, X-Wiz. X-Wiz qui, justement, essaye d'aider les copains comme il peut. Non, il a un HP. X-Wiz le poissonnier. Ah, mais là, gros. C'est abusé, j'ai jamais vu un stuff comme ça. C'est vraiment que dans Carrier ton VIP que vous verrez ça, parce qu'il y a aucun intérêt à faire ça naturellement. Sauf si vous jouez la survie dans la zone. Ouais, il avait des armes, c'était pas le pro. Important de le dire ça. Ça rien. Ils sont en train de faire du. C'est le marché noir là, c'est pas légal ce qui se passe. T'es loin. Du bon poisson, qui veut du bon poisson? Il a le truc qui vole là. N'importe quoi, toujours 18 poissons dans les mains de X-Wiz qui espérera peut-être en avoir 20 d'ici le late game. Mais il est bien. 18 poissons, il reste 2 emplacements de poissons. On reviendra vers eux un petit peu plus tard s'ils restent en vie, bien évidemment. Et on est sur cette équipe qui, pour l'instant, ne s'est pas exprimée de la partie. Pourquoi? Parce qu'elle attend le moment fatidique. Ils veulent d'abord valider les points de positionnement. Ils y vont stratégiquement, intelligemment. Et ensuite, une fois qu'ils auront fait ça, laisser le bouseux, laisser Rayos exprimer leur talent pour aller valider des kills supplémentaires. On est en train de vivre les derniers instants de cette 4ème édition. Ah, mais y en a, ils jouent les kills. Hein. C'est comme ça qu'on peut se faire niquer. Hein. Ouais, effectivement. Vu que un PV. On voit Gotaga en fight. Hein. On voit Gotaga en fight, là, l'équipe numéro 9. Attention, ça joue sûrement entre ces deux teams là. Aubameyang qui reste debout. Il est tombé là. Team 22. En dessous là. X-Wiz qui joue la survie. X-Wiz qui joue clairement la survie. Toujours Yoshi, très animé. 8 kills déjà pour Yoshi et. Et My Gold Junior, donc bon, au classement ils étaient quand même assez bas de mémoire. Je vais essayer de les retrouver juste avant cette game là, mais une belle game, je le dis, en dernière game, si t'as des VIP qui sont capables de jouer le sang-froid, il y a moyen de marquer beaucoup de points. Je cherche Yoshi là du coup dans mon classement. Et je dois descendre assez bas pour le trouver. Non, il est 12ème, ils étaient 12ème, avec quand même ils avaient 17 points, 12ème. Il va falloir faire une méga game. Après, pourquoi pas essayer de rentrer dans le top 5 hein. Pourquoi pas essayer de rentrer dans le top 5. Et justement, c'est Gotha et Airwax qui ont subi l'assaut. Ça doit pas bien se passer là pour eux. Ouais, c'est sûr. Oh. Ça va être compliqué pour Karim de défendre là. Ils vont vous push. Faut protéger Gotaga, faut tout lui donner. Il y a un feu de camp en plus là. Mais le problème, c'est qu'ils vont push. Ils ont vu que c'était blanc. Et surtout, ils ont fait tellement de kills qu'ils vont pas s'arrêter là. Yoshi qui rentre en force. Gotaga qui tente quelque chose là. C'est peut-être malin de sa part. De se faire oublier en prenant une semi-hauteur. Le problème, c'est qu'il y a une autre équipe qui en profite. Faut serrer les fesses là. Faut clairement serrer les fesses. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour l'équipe de Le Bousseux. 39 HP, gros. Skaya et Walid qui se sont croisés. Faut que tu les mettes une édite et que tu les encules en vrai. Ouais, c'est chaud. Là, regarde. C'est chaud, hein. Honnêtement, Gotha là, même si on connaît son talent. Top. Il est blanc. Faut pas trop forcer parce qu'il y a Magol Junior juste derrière. Là, putain. Et là, Airwax, il a envie de tirer. Hein. Airwax, il a envie de tirer. Tu m'étonnes. Heureusement, Gotha a fait quand même le bon move pour eux. Reculer cette équipe
qui était un petit peu trop agressive. Et là, on va arriver dans l'instant le plus important, mesdames et messieurs. Là, on va arriver dans l'instant le plus important. Il reste 38 joueurs, 16 trios. Et cette capacité d'aller chercher la victoire de l'édition 4 de Cariton VIP. Ça soutient la team Bouzy sur le chat. Ça commence aussi à faire son deuil pour les équipes mortes un petit peu trop tôt, comme celle de Inox, Michou et Nate. Mais ils ont tout donné, comme dit dans le tweet, je suis d'accord. On peut pas leur en vouloir là. Il y avait des équipes aussi sur le papier quand même extrêmement fortes. Il fallait éviter la moindre petite erreur. On voit la concentration du côté de l'équipe de Bouzy qui veut pas ruiner tout le travail fait sur les games précédentes. Mec qui est dans ce toit là, c'est sûr, il y a un mec qui est dans ce toit là, putain. Et on analyse, on observe, on regarde la barre des feeds, où en sont les autres adversaires. Je rappelle l'équipe de Bad Sniper que vous avez à l'écran. Je rappelle l'équipe de Vitality qui était deuxième à égalité avec l'équipe de Keolis. Et justement, l'équipe de Nate qui est tombée. Donc ça va sûrement se jouer entre l'une de ces trois équipes. Oh la zone. Ah ouais, non. Et mauvaise nouvelle pour le Bouzeux. J'ai quoi nous faire retasser. Mauvaise nouvelle pour le Bouzeux qui remet un petit peu de suspense dans cette game. Regardez la distance justement à parcourir pour aller chercher la zone. S'il tombe durant cette rotation, ça pourrait laisser la victoire à une autre équipe. C'est le moment le plus important pour la trio que vous avez ici à l'écran. S'ils passent, ils peuvent y croire. Mais la distance, elle paraît quand même énorme. Ils ont des répulsives, ils ont des pads. Maintenant, il faut bien exécuter l'action. Et ça, c'est pas dit d'avance. On va les écouter, on va rester avec eux. C'est le moment le plus important. Pas de bleu déjà pour commencer. Des mecs, je crois. Faire gaffe. On essaye de se faufiler, on se fait pas trop remarquer. Sarota sur la droite aussi, on s'en mêle pas. Faut pas trop tirer pour pas attirer l'attention. Les pas de bleu sont bien gérés par justement l'équipe de Bad Sniper. Le repositionnement s'est fait bien plus facilement que prévu. Ils étaient déjà tous très occupés par ceux qui étaient déjà dans la mêlée. Oufa. Et donc le plus dur est passé maintenant. On te donne vraiment l'équipe de Yoshi, on continue de faire des kills. Hein. Tiens, ouais, moi aussi je vais tout te donner, tiens. Regardez le petit espace dans lequel tout le monde s'est confiné. C'est bon, justement. La pierre là. Là c'est un confinement géant et on respecte pas les distances. Les distanciations. On observe. Je vois l'équipe de Skype qui reste debout. Daniel, Skype et Dejna qui auront finalement fait un 4 sur 4 au niveau du positionnement, rien à redire, ça prouve encore une fois la lecture de jeu de Skype. Attention, je vous l'ai dit à l'équipe de Keolis que vous avez en haut à gauche de votre écran. Attention à cette équipe de Le Bouzeux et attention à Gotaga qui à lui seul pourrait faire des miracles. Ah, j'en ai 150 donc. Allez, on écoute pour la dernière fois de la soirée l'équipe de Skype, de Jna et du studio Daniel. Ok, vous me suivez? Ouais. C'est simple, vous avez juste à me courir après, ok? Et Skype toujours très concentré, très minutieux, ça bouge pas. Malgré la fatigue, malgré les efforts, malgré les malus, très embêtant pour le joueur pro. Il est trop mignon, Excès, c'est pas grave. Toujours là, essayer de rassurer l'équipe. Ok, venez. Passe. Les extents sont clean, tu vois. Il pourrait essayer de faire des pattes bleues, etc. Mais c'est très bien que ça peut être dur à suivre. Ça peut être dur à suivre pour les copains. Donc du coup, il préfère jouer simple. Gotaga et Airwax, qui ont survécu un moment très très chaud. Vous l'avez vécu avec nous, qui maintenant vont tout donner pour essayer de garder cette hauteur. J'ai touché lui, mais. Il faut que Gotaga fasse un kill. Il faut que Gotaga fasse un kill pour récupérer les points de vie, c'est super important. Je suis mort. Et du coup, l'Airwax va être tout seul. Oh, par contre, qu'est-ce qu'il est à droite sur ses routes de positionnement, Airwax. Avec un pad, beaucoup de pads bleus, heureusement pour lui. Keolis, pareil, qui essaie de tout donner pour son équipe. Avec une belle grande. Refais-moi des maths. Et ça comme très très vite. Vous avez vu Keolis qui a compris l'instant. Ils peuvent remporter l'édition 4 de Cariton VIP. C'est notre moment. Le Bouzeux qui se fait attaquer. Le Bouzeux qui va peut-être tomber. Attention, qu'est-ce qui se passe? En haut à droite de l'écran. Ok, j'ai mis mal un mec. Alors que Jean-Fils prend les choses en main. Regardez, y'a un mec là. Ça essaye de repousser. Oh, il est mort. Et là, on est sur le moment où on peut essayer. On va rentrer dans le moment chaud, mesdames et messieurs. C'est les derniers instants. Ok, les gars, on avance. Je pose les mecs là, les gars, sur moi. Je pose les mecs là. Attendez, là, vous le prenez. Je vous rappelle, les pros n'ont pas le droit d'utiliser les armes. C'est pas grave s'ils l'ont dans le stuff, ils ont juste pas le droit de les utiliser. Ah, mort. Pour l'instant, ça respecte bien la règle. Ludo, t'as fait un kill sur Lucilus. Et Daniel qui a tombé Farod. Studio Daniel qui tombe Farod, mesdames et messieurs. C'est bon. C'est fait. Reviens. Studio Daniel qui a tombé Farod, on l'a vu. Un kill validé. Magnifique. Ça finit en beauté cette soirée. Pour eux. C'était une grosse patte pour moi. Et c'est le travail de Skype qui a donné les bons conseils au fur et à mesure. Allez, le Bouzeux qui récupère heureusement les points de vie sur Julien. Il nous spam, qui essaie de tout donner pour revenir dans la zone. Le Bouzeux qui est en galère. Il a été un petit peu délaissé. C'est normal, il doit se retrouver autre chose. Et c'est Sky qui a été croisé. Sky me défait très rapidement. Le Bouzeux qui a un HP mais qui est toujours debout. 6 HP pour être très exact. Keolis, lui aussi dans la mêlée, a essayé de survivre comme il peut. La boucle dans les airs, il n'a pas eu le temps.
Il a été down pendant son envol. Ah, je vais pas comment j'ai dit. Bouze qui tombe. Bouze qui tombe, il y a quand même une phase qui est confirmée. Il reste 6 Rio, donc pour essayer de valider les top Rio. Gros, très grosse difficulté qui essaie de survivre avec les splash. Il en a encore 4 entre les mains. Pas Sniper qui reste debout, mais qui, je vous rappelle, n'a pas d'arme. 10 HP pour Rio. Non, attends, il va mourir. Passage en fils. Il y a des splash sur mon stuff. Il y en a qui va mourir. Et Bat Sniper. Il y a des splash devant toi. Tu dois essayer de gratter un top 3. Cette même. Oui, c'est fait, top 3 pour Bat Sniper. Qui peut être l'élément clé de cette trio, encore une fois, après avoir gagné avec Cyril. Des matelas, des flashs, et encore un puma, t'as encore un puma. Mais qui a cette hauteur zone, non ouais. T'as encore un on puma. Voit justement l'équipe de Yoshi, hein, ouais, avec ma gueule junior avoir fait un massacre total. 16 kills déjà confirmés pour eux, ils étaient très très loin, ça pourrait leur permettre d'agir le top 5. Surtout avec le top 1 en plus. Bas Sniper qui tient, mais c'est qui le dernier? C'était Robabs qui restait. Il est où nous? Et du coup maintenant ils sont 3 en équipe avec un Yoshi qui a 1 HP mais 3 face à un Bat Sniper qui aura gratté le top 2. Jusqu'au bout, big corps de Yoshi. Je sais pas combien on a fait de kills. Dans cette dernière game avec 17 kills. Énorme game de leur part. Ils vont grimper en flèche. Attention classement. 17 kills top 1. Je vous l'ai dit, la game 4. Quand t'as la confiance, tout est possible. Bat Sniper qui vraiment félicité hein, pour ce top 2 qui était important parce que vous l'avez vu, avec des équipes comme ça qui marquent beaucoup de points, ça peut vraiment tout changer au classement. C'est terminé, plus personne ne peut rajouter de points dans son classement. Je vous rappelle rapidement hein, le format, 1 point par kill, 14 points de la victoire royale. Donc là, vous faites les comptes, hein, il y a eu 17 kills plus les 14 points de la victoire royale. On est sur une game magnifique hein, de la part de Yoshi et ma gueule, vraiment magnifique. Donc hâte de voir ce que ça va leur permettre de récupérer comme place au classement, mais ça me choquerait pas de les voir dans le top 5 grâce à cette game 4, grâce à sa game destinée aux VIP. Ça c'était pour le format et pour le cash prize. Voilà comment il va être desservi. On a le résultat dans quelques instants. On a vécu des très belles choses hein, dans cette édition de Carryton VIP avec des magnifiques invités. Un grand merci à tous les joueurs pros. Un grand merci à tous les VIP d'avoir joué le jeu. Un grand merci à tout le monde. Honnêtement, c'était incroyable. On attend. On est en train de calculer les points. Tout va bien. Ça va être officiel dans quelques instants. On ira parler justement, comme la tradition le veut, avec l'équipe qui l'emporte. Mais honnêtement, on a vibré ce soir. Je suis ravi, on a eu des histoires vraiment différentes entre les premières games et les dernières games. Je trouve que les moments de gloire ont été assez bien partagés. J'espère que tout le monde a pris son pied, hein. Peu importe le résultat. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir la compétition de Fortnite pour les VIP les moins assidus. Et aussi pour les joueurs pros, bah, pris du plaisir à essayer d'expliquer leur quotidien à d'autres personnes. C'est pas évident, hein. On l'a vu avec Skype, le travail est pas facile. Mais quand il est bien fait, qu'est-ce que ça fait plaisir. Vraiment, parce que sur le papier, il avait une équipe beaucoup moins forte, mais grâce à sa théorie, grâce à sa manière de communiquer, c'était vraiment clean. Et ça a permis, à mon avis, à Studio Daniel de kiffer sa soirée, à Dejna aussi, de prendre vraiment son pied. Donc on va voir. Les messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour le classement? 5, 4, 3, 2, 1. Et on envoie le classement, mesdames et messieurs. On découvre ensemble officiellement la victoire. Effectivement, à 3 points, ça s'est joué à rien, ça s'est joué à 3 kills à peine. Victoire de Bat Sniper, Le Bouzeux et Rayos. Première victoire de Le Bouzeux dans Carryton VIP. Des belles statistiques avec une bonne position moyenne, hein, 4ème en moyenne sur la soirée. 22 kills confirmés. Keolis, Ludo et Jean-Fils qui ont été les massacreurs. Hein, vraiment, on peut les appeler comme ça. 38 kills. Regardez-moi ça, 38 kills validés pour eux. Victoire justement de Keolis, Ludo et Jean-Fils sur la Team Vitality. Alors la Team Vitality qui termine 3ème. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une victoire royale. Et ça joue avant les kills. Sinon, vous l'avez vu, ils sont à égalité en termes de points. Heureusement, la Team Vitality avait en plus à 1 point d'Average Place. Donc entre la victoire royale et l'Average Place, ça leur permet d'éviter l'écart de kill et donc de départager grâce à ça. Et donc les Vitality terminent 3ème et ils font plutôt une très très bonne opération en récupérant 4 000 $. Juste derrière, on a justement la remontada hein, de Yoshi, Magal Junior et Xquiz avec cette dernière game. Ils viennent récupérer du cash prize et ils se positionnent. Et 5ème, Emric Laporte, justement, Kezix et Aiko qui ont été brillants toute la soirée, qui terminent justement avec 1 000 $ remportés, mais surtout ont une belle soirée de vécu de leur part. Petite tristesse pour Inox, Michou et Ney qui terminent 6ème. Hein, c'est la place un peu triste parce que bah, tu ne gagnes rien. Mais honnêtement, ils ont été brillants toute la soirée. Cette dernière game, c'est dommage. C'était le moment pour Michou et Inox de,
laissé un peu parler le talent, mais ils ont croisé peut-être l'équipe de KZR un petit peu trop tôt, un petit peu trop énervé. Juste en dessous, c'est de Skite, de Jna et de Studio Daniel qui termine 7ème. On peut clairement les applaudir. C'est insane de les voir aussi haut, honnêtement. C'est insane. Je pense que, pour être très honnête, c'est la meilleure performance globale de la soirée entre ce qui était attendu et ce qui a été fait. Honnêtement, c'est la meilleure performance. Gros titre de MVP ce soir pour l'équipe de Skite, de Jna et Studio Daniel. Parce que vraiment, finir aussi haut, c'est un énorme travail de fourni. Juste en dessous, on a Robabs, Akitu et Yuna. Les Grizzly à la 9ème position, qui reste quand même très confortable. Dobby, un crouton supplémentaire avec Andilex. Et le roi Samo à la 10ème position. Et juste en dessous, je vous laisse observer jusqu'à la fin. Mais voilà, victoire de Bad Sniper, de Rayos et de Le Bouzeux, mesdames et messieurs. Kills, ouais. Quel moment. Ouais, ça a été vraiment fou. Hein. Vraiment fou. On va directement en vocal avec eux. Quel moment, t'es 9ème, ouais. Gros GG, les gars. Gros GG à vous. Merci. Vous avez été brillantissime ce soir. Bad Sniper, 2ème victoire pour toi dans l'édition de Cariton VIP. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce que t'as en plus que les autres? Est-ce que finalement, au contraire, c'est peut-être les VIP qui t'ont fait briller ce soir, contrairement à d'habitude? Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. On t'a vu sur la dernière game essayer de gratter le top 2 et on voit justement que ça a peut-être fait la différence. Hein, avec voilà. Les 3 points d'écart face à l'équipe de Keolis, vous voyez, ils ont été quand même c'est ce que je me suis dit. Très présents sur l'équipe. Ton top 2 était fou. J'ai vu le Bouzeux être très heureux déjà sur le premier top 1 ce soir. C'était ton premier top 1 dans Cariton VIP, si je dis pas de bêtises. Ouais, premier top 1, ouais. Et en plus, derrière, tu gagnes l'édition. Qu'est-ce que ça vous fait? Et puis surtout, la dernière game, j'ai trop bien joué. T'as sans doute pas eu voir. Enfin, j'ai trop bien joué. Raconte-nous, t'as vu un petit peu. Franchement, il a la fin de game, j'ai fait 3 kills, tu sais, je ramassais les kills. On a vu sur Juliette un moment, c'était le dernier de la liste, ça. Là j'étais trop content, je savais pas trop ce qui se passait dans ma tête, ça allait trop vite. Je prends 3 kills et après bah je meurs parce que je me suis dit vas-y c'est bon, j'ai trop donné là, tuez-moi les gars, vas-y, je me livre. Allez-y. Belle équipe en tout cas, franchement ça a bien marché. Ouais, bien joué, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé Rayos, toi c'était ta première participation, je dis pas de bêtises? Ouais, première. Qu'est-ce que t'en as pensé du format, des malus, un petit peu de tout ça? Là si c'était bien, j'avais pas. En fait j'avais oublié les problèmes que les pros ils devaient avoir, genre sans armes et tout. Mais du coup, pour ça adapter la stratégie. Bien. Ouais c'est bien, franchement c'était bien. Mais du coup ouais, pour répondre, on va peut-être répondre aux messages parce que du coup on a plein de messages. Le 2 pro là. Deux pros. Après, c'est vrai, Kreyos, on va pas se mentir que par rapport au VIP, je pense que c'est le meilleur. Ouais. Le seul inconvénient qu'il avait, c'est qu'il jouait avec le partage de code de son téléphone, donc il avait des fois des montées de ping. Mais dans tous les cas, oui, je pense que en termes d'équilibrage, il y a mieux quoi. C'est normal de gagner cette édition là avec cette équipe là. Non, il y avait quand même 2-3 équipes pour moi très costaud. Parce que regarde, ouais, quand tu vois les deuxièmes qui avaient 38 kills, ouais, et nous que 22, ouais, tu dis bah eux ils peuvent largement mériter de faire premier, tu vois. Totalement. Donc, aussi voilà, grosse régularité, faire aussi pas beaucoup de kills, c'est quand même. Non, c'est ça. Ce qu'on avait dit ce soir, il y a les 4-5 équipes qui pouvaient jouer le top du classement. Là, je pense par exemple aussi à la team Skyheart, Noward et Gibbs qui passe sur le papier, elle paraît folle. Ouais, voilà, sur papier, il y a pas mal de. Donc il y avait quand même 4-5 équipes. On savait qu'il y avait un écart entre 5 équipes et le reste parce que tout le monde ne venait pas avec la même ambition ce soir. Et honnêtement, moi, au début de la soirée, je savais pas du tout de laquelle de ces 5 équipes-là allait l'emporter. Hein. Les Vitality, ouais, honnêtement, s'ils faisaient une meilleure première game, ils avaient free win ce soir, tu vois. Première game, ils prennent quasiment 0 points alors que normalement, avec cette équipe là première game, même si Gotha, Mika jouent très peu, reprennent le jeu vraiment depuis aujourd'hui, voilà, on pouvait se dire allez, s'il faut une grosse première game derrière, ils ont bien géré, c'était aussi gagné. Donc non, pour moi c'était pas gagné d'avance, même si effectivement vous faisiez partie clairement des favoris, soyons honnêtes, ce soir. Mais en étant favori et répondre présent sur le terrain, en plus tu me dis Kreyos il a joué avec certains handicaps, ça reste quand même une énorme performance. Vous récupérez les 10 000 $, messieurs. Vous avez déjà réfléchi à comment vous allez vous départager ça? 3-3-3-3, hein. Ouais, 3333, je pense. Hein. Et du coup, je garde le reste. 3333. Il restera 1 euro normalement. Ouais, ça fait 9 000 $. Ouais, il restera 1 euro. Enfin, 1 $. Bah, avec plaisir, les gars. En tout cas, félicitations. Si vous avez kiffé la soirée, moi, je suis très, très content. Et le Bouzeux sur Fortnite, toujours un vrai plaisir. Le chat est quand même très heureux de vous voir l'emporter. C'est vrai qu'ils étaient aussi beaucoup pour les croutons derrière avec Michou Inox. T'as vu leur performance quand même. Ils ont été très solides. Hein, très, très solides. Je suis très content pour eux. Hein. Juste la dernière game, malheureusement. Ça fait aussi longtemps qu'ils jouent pas forcément au jeu. Donc, vraiment très content. Et écoutez, les gars, un grand merci à vous d'avoir pris le temps. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez parler à vos fans ou quoi que ce soit. Il y avait beaucoup de gens qui ont soutenu un peu tout le monde. Hein. C'est la guerre des communautés. Il y a tellement de joueurs, il y a tellement de communautés que tout le monde veut voir son streamer, son joueur gagner. Voilà, un petit message pour ceux qui ont cru en vous dès le début et qui vous ont soutenu de la première game à la quatrième. Bah, on les a remerciés tout à l'heure. Hein. On va pas se mentir. On vient de le faire tout à l'heure quand t'étais pas encore là. Mais gros merci à vous. On vous aime très fort.
merci du soutien, puis voilà quoi, je sais pas quoi dire de plus. S'il y a une autre édition en trio, vous revenez mettre le titre en jeu. Avec plaisir. Allez, ouais, c'est noté les gars, bah je vous libère, passez une très très bonne soirée. Attends, il y a Dwag, il y a tout le monde qui veut que tu montes la deuxième partie du classement là. Vas-y, on va descendre, merci. Bonsoir, voilà, l'éclair. Bisous Dwag. On vous montre ça, merci les frérots, on va vous montrer ça plusieurs fois, on va faire 2-3 allers-retours que vous puissiez voir un peu la position de tout le monde. On a entendu les grands gagnants, il a été très honnête le Bouzou en expliquant justement que son équipe sur le papier était vraiment costaud, mais honnêtement, c'était pas évident de gagner ce soir Cariton VIP, donc grosse mention pour eux et gros GG à ceux qui ont terminé aussi dans le top 5 et qui récupèrent du cash prize. C'était une super soirée, on a vibré, tu vois, le but, même si c'est vrai qu'il y a du cash prize hein, grâce à Fortnite cette fois-ci qui a mis la main à la poche pour les gagnants. Le but, c'est de vivre des émotions et moi j'ai, tu vois, la régularité de Skite, les fights fous de Yoshi en dernière game. On a vécu des moments exceptionnels et c'est surtout ça qu'il faut retenir, même si effectivement tout le monde essayait de jouer pour faire partie du top ce soir. C'est normal, c'est l'envie de gagner. Bah honnêtement, merci. Moi, je remercie vraiment tous les joueurs, je remercie tous les viewers qui ont été sur tous les streams, peu importe si vous étiez là ou ailleurs. Un grand merci à vous, vous avez été plus de 180 000, on l'a dit, viewers cumulés. Vous avez mis le hashtag en tendance très rapidement. Rien à dire, c'était une soirée super réussie. Et on refera une prochaine édition, je l'espère. On refera alors peut-être en duo, peut-être en trio, peut-être en squad, on verra. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'autres joueurs que vous aimeriez voir, que ce soit des joueurs pros pour peut-être les rajouter dans nos listes à sélectionner, ou peut-être des VIP s'il y a des idées, s'il y a des mecs que vous savez qui pourraient être intéressés. Dites-le nous dans les commentaires. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette émission, ce qu'on peut nous aussi améliorer. Merci le chat, vous avez été fou ce soir. J'allais moi débriefer un petit peu avec tous les joueurs là qui veulent discuter. Et je vous fais des gros bisous. Un grand merci pour tout le monde. C'était vraiment oufissime de revivre ça avec vous. Là, ça m'avait manqué aussi cette émission là. Et c'est vrai que toujours elle est très attendue. Donc je vous tiendrai au courant pour la prochaine édition. En attendant, vous le savez, il y a plein d'autres choses. Mercredi, Streamer Battle, la revanche. On retrouvera les Croutons, hein, rappelez-vous, la semaine dernière. On retrouvera les JL aussi avec l'équipe de Tommy. On retrouvera l'équipe de Domingo avec Sardoche. Ça sera mercredi à 19h. Il y aura d'autres lives d'ici là, tranquillou. Mais voilà, date à retenir mercredi. Date à retenir aussi demain. Je serai avec Gotaga pour Master Kill qui revient sur Fortnite sur ce lundi-là. Avec Gotaga, on sera là demain vers les coups de 20h pour un gros Master Kill accompagné de Michou, justement, et Valouz. Ça va être très intéressant parce qu'il va y avoir des gros talks. Il va y avoir des grosses surprises parce qu'il n'y aura pas que Master Kill. Mais je ne vais pas trop vous en dire. On vous garde des surprises pour demain. Mais donc voilà, soyez là demain. Pour les coups de 20h, si vous voulez encore du Fortnite, on sera là pour vous servir. Grosse semaine en perspective, oui, mais c'est ça qu'on aime. Un grand merci à vous, et à demain pour plus d'aventures, et sinon, aimez la vie, tout simplement, aimez la vie.